Bonjour à tous, je vous propose d'ouvrir la séance. Excusez-moi pour ce léger retard. Nous nous retrouvons pour notre deuxième journée d'audition pour notre commission d'enquête parlementaire consacrée au risque d'ingérence étrangère dans notre pays. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Manuel Laffont-Rapnouille, qui est directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie, qui est un groupe de réflexion, Think Tank pour. Les, euh, en mauvais français qui est placé auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous remercie euh, monsieur Lafourapnou pour être, vous être rendu disponible euh, dans des délais à nouveau euh, réduits. Nous avons commencé la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi nos travaux, par auditionner certains de vos confrères euh, qui travaillent euh, sur les plusieurs experts en relations internationales et en géo-stratégie. Notre commission a voulu mieux cerner le contexte euh, politique, mais aussi mieux définir euh, les termes de notre euh, commission euh, d'enquête parlementaire, puisqu'il a été établi, et cela se confirme à chaque audition, que la notion d'ingérence, d'influence est un spectre, est un, un continuum qui mérite d'être mieux précisé. Nous avons bien progressé, je pense que ça fait consensus parmi les commissaires de notre de les commissaires. nous avons bien progressé sur la définition des termes et donc nous serions heureux d'une part que vous nous présentiez. Euh, quelle est votre institution, quel est le, CPA, le CAPS, pardon. Euh, quels sont ses travaux sur les ingérences, quels sont aussi vos travaux, et qu'une manière générale, vous nous présentiez la façon dont vous voyez les choses et les connaissances que vous pouvez partager avec nous. nous. Vous aurez ensuite une série de questions de votre serviteur, puis de madame la rapporteure, puis des commissaires qui souhaiteront euh, intervenir et vous interroger sur ce que vous avez dit ou sur leurs propres questions. Euh, vous aurez pour cela une première quinzaine de minutes. La spécificité... Euh, cher monsieur de la commission d'enquête, et que euh, vous êtes sur serment, au nom de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, toute personne auditionnée doit prêter serment, dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, monsieur, je vous demande de lever la main droite et de dire je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole, pardon, pour 15 minutes. C'est ça. — Bonjour. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Emmanuel Laffont-Apnouille, effectivement le directeur du CAPS. Le CAPS, c'est le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie. Effectivement, la façon la plus simple de le décrire, c'est de dire qu'on est le think tank interne du ministère, directement rattaché à la ministre. Donc euh, en quelque sorte, le think tank interne de la ministre encore plus que, que du ministère, euh, <coughs> avec l'idée d'avoir au service de nos autorités de politique étrangère une capacité d'analyse, de réflexion, d'anticipation, de proposition sur l'ensemble des sujets internationaux, en tout cas on essaye sur l'ensemble. Euh qui est une valeur ajoutée, qui apporte quelque chose de différent de ce qu'apporte le reste du, du, du réseau diplomatique, le ministère et son réseau à l'étranger. Et pour ce faire, on bénéficie d'une forme d'indépendance. C'est pour ça qu'à fortiori dans un contexte public, je précise qu'il y a une formule sacramentelle qui dit que les vues exprimées par le CAPS ne sauraient être considérées comme une position officielle. C'est la contrepartie logique du rôle qu'on joue à l'intérieur du ministère. Par ailleurs, puisqu'on est un service du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On ne travaille pas sur les affaires euh, intérieures. Je n'ai pas d'éléments particuliers sur ce qui concerne la situation en France. Certaines des questions qui m'ont été adressées allaient dans, dans ce sens. Ça ne fait pas partie de notre champ d'analyse. Mais je vais répondre aux questions qui donc m'ont été adressées en essayant de, de respecter le, les 15 minutes avec l'aide de ma montre. Euh, donc le premier point, effectivement, c'était une analyse... Euh, Conceptuelle ou terminologique sur ce qu'est l'ingérence, euh, en quoi elle se différencie de l'influence, en quoi elle est différente de interference en, en anglais. Euh, et je pense qu'effectivement c'est important d'avoir un peu de, de clarté euh, conceptuelle et terminologique. S'ingérer euh, dans une logique de droit international, c'est euh, se mêler indûment des affaires d'un autre État. Euh, et c'est pas le fait de s'en mêler, mais c'est le fait de le faire indûment. C'est contraire au principe d'égalité souveraine, qui est au cœur du système international. Euh, c'est de ce principe d'égalité souveraine que découle le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, qui donc euh, dit explicitement que l'ingérence est interdite. Et donc c'est effectivement interdit par le droit international, notamment l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais euh, c'est répété par, euh, par plein d'autres textes de droits internationaux et de textes. Politique adoptée dans des enceintes internationales. Les premières conclusions qu'on peut tirer de ça, c'est que d'abord, toute intervention dans les affaires intérieures n'est pas une ingérence, au sens juridique en tout cas. Que évidemment, il y a des situations comme une intervention matérielle, par exemple, par la force armée, en l'absence de consentement de l'État où cette intervention aurait lieu, ça c'est une ingérence incontestable, il n'y a pas tellement de discussions à voir. Mais. Euh, dès lors qu'on est euh, dans un autre registre qu'une intervention euh, matérielle, qu'une ingérence patente, évidemment, il peut y avoir un sujet sur la définition de où ce qu'est ou ce n'est pas une ingérence. Euh, et c'est un des, un des sujets euh, éternels de la discussion internationale là-dessus. Quatrième leçon qui est un peu moins évidente. Euh, mais qui est importante pour les débats qu'on a aujourd'hui, je pense, puisque l'ingérence est indue, ça veut bien dire qu'il y a une forme autorisée, au sens en tout cas de non interdite, d'intervention dans les affaires d'autrui. Et il me semble que c'est ça qu'on devrait appeler influence. On devrait euh, désigner par influence cette partie-là euh, du spectre. Et de fait, l'influence est pratiquée par tous euh, ou presque. Euh, C'est euh, sous un autre nom ce qu'a conceptualisé et popularisé euh, John Hay quand il parlait de soft power, l'idée de puissance douce, pas une puissance coercitive, mais une puissance qui fonctionne plus par, euh, par la séduction. Et le droit international offre en fait un cadre assez permissif, et par exemple, ce n'est pas toujours évident à, à, à l'esprit de tout le monde. Il ne suffit pas qu'un pays B n'aime pas la déclaration d'un pays A pour qu'il puisse la qualifier d'ingérence dans ses affaires intérieures. Si le pays A fait une déclaration sur les affaires intérieures du pays B, mais qui correspond, par exemple, à un engagement que le pays B a pris dans un traité international ou au titre d'engagement internationaux, dans ce cas-là, c'est légitime et c'est légal. Ça n'est pas une ingérence puisque ça a à voir aussi avec les affaires internationales. Cette idée d'influence, euh, elle a parfois une connotation péjorative. En ce qui concerne les, les, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de façon plus large les autorités françaises, ça a encore été réaffirmé avec la revue nationale stratégique qui a été publiée l'année dernière. C'est une notion qui est assumée, la notion d'influence. Mais dans notre discours, dans le discours où on assume le fait que nous faisons nous-mêmes de l'influence, on reconnaît aussi, on insiste sur le fait que ça ne veut pas dire que toute influence est légitime, que toute influence est bienvenue, même si elle respecte le cadre légal. Et là, on fait face à un phénomène où, à mon avis, il y a deux facteurs majeurs. Le premier, c'est la montée d'une vision compétitive de l'influence, en quelque sorte... Euh, la, la compétition entre les soft power était euh, bénigne d'une certaine manière. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une vision beaucoup plus compétitive et une vision de la compétition internationale qui est beaucoup plus dans une logique de compétition des puissances et de jeu à somme nulle. Et donc l'espace de l'influence est de plus en plus divers, de plus en plus contesté. Il y a une véritable bataille de l'influence. Et derrière cette bataille de l'influence, une bataille des modèles, si on veut dire, à la fois les différents modèles internes des pays et puis une bataille sur le modèle international, sur le système multilatéral ou l'ordre international euh, qu'on qu souhaite promouvoir et soutenir. Ça, c'est la première tendance. La seconde, c'est dans ce contexte de l'influence, le recours à un certain nombre de euh, tactiques, de, de logiques d'action problématiques, même lorsque formellement, elles respectent la légalité, à la fois la légalité internationale et la légalité interne. Euh, euh, je pense que vous avez déjà entendu parler du lawfare, c'est-à-dire le fait d'utiliser euh, le droit et notamment les procédures juridictionnelles euh, à des fins euh, légèrement détournées par rapport à ce à quoi est censé servir le droit. Moi qui travaille beaucoup avec les think tanks, <coughs> euh, évidemment je suis très sensible par exemple à ce qu'on peut appeler les procédures baillon, c'est-à-dire les attaques en diffamation, dont euh, la. la... Le, le destin judiciaire est probablement négatif, mais entre-temps, qui mobilise de l'argent, mobilise de l'énergie et ont un effet dissuasif sur ce que font les chercheurs. Il y a un certain nombre de cas qui ont, y compris, ont été rendus publics, comme par exemple dans le cas de la Fondation pour la Recherche Stratégique pour les travaux qu'elle avait fait sur Huawei. Ça a été le cas aussi, là aussi c'est public, pour les auteurs d'un rapport qui a été fait par mon service avant que je le dirige, le CAPS, avec l'IRSEM, qui est un institut de recherche rattaché au ministère des Armées. On avait fait un rapport conjoint en 2018 sur la manipulation de l'information. Et là aussi, il y a eu des procédures en diffamation. En l'occurrence, euh, en première instance, il y a eu une relaxe totale de la demande de condamnation pour diffamation qui avait été faite par RT France. RT France a fait euh, appel. Il y a évidemment, derrière ces deux tendances, une volonté de jouer avec les zones grises et avec les angles morts. Je viens de parler du lawfare, des manipulations de l'information, mais le lobbying, euh, le recrutement, comme euh, on dit dans les services euh, euh, par euh, idéologie donc pas forcément avec euh, corruption. Et puis si on prend une perspective un peu plus euh, méta, si on prend un peu de recul, on voit que dans le débat autour de ces pratiques, il y a aussi une volonté justement d'entretenir une forme de confusion entre influence et ingérence. Vous avez dit il y a une forme de continuum, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que d'un côté, il y a un problème avec la légalité et de l'autre côté, même si c'est légal, il y a éventuellement un problème avec la légitimité et, et on peut prendre des mesures pour euh, contrevenir à ces euh, formes d'influence plus agressives. Euh, et donc, je pense qu'il est important de ne pas tomber dans cette confusion entre influence et, et ingérence, de la même manière que je pense qu'il est important de ne pas assimiler toute politique d'influence à des manœuvres de, de manipulation. Je vais revenir à l'ingérence, puisque c'est le cœur de, de la discussion, euh, de vos travaux, si j'ai bien compris. Évidemment, c'était quelque chose qui était très fort à l'époque de la guerre froide. Euh, les, les soviétiques appelaient ça les mesures actives, euh, qui était une époque qui a été riche en diverses formes d'ingérence, plus ou moins patentes. Tout à l'heure, j'ai parlé de coups d'État, les organisations de façade, le financement d'acteurs politiques ou d'acteurs euh, syndicaux ou de groupes armés, euh, des stratégies médiatiques, etc. Quand on regarde la discussion qui existait à l'époque, il y avait déjà dans le débat un, un point important auquel je, sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est pour ça que je le mentionne, qui était le sentiment qu'il y avait une différence forte entre les vulnérabilités de ce qu'on peut appeler les sociétés ouvertes, celles où il existe du pluralisme, la liberté d'expression, la liberté d'association, et les pays dirigés par des pouvoirs euh, autoritaires qui évidemment ferment ces espaces et en quelque sorte se prémunissent contre euh, des attaques sur ce, euh, ce terrain-là ou juste des politiques d'influence euh, sur ce terrain-là. Tout ça aujourd'hui reprend euh, une forme d'actualité parce qu'on a une évolution de l'environnement international qui euh, favorise la réapparition de stratégies, euh, soit d'ingérence, soit d'influence euh, agressive et euh, problématique. D'abord, la mutation du système international en général ce qu'on appelle la redistribution de la puissance, pas forcément le fait que les plus grandes puissances sont en déclin, mais le fait qu'en tout cas d'autres euh, sont euh, en ascension et, et s'affirment, l'hétérogénéité des valeurs, ce qu'on peut appeler euh, rapidement la désoccidentalisation du monde, ou euh, l'essor d'un certain nombre de euh, pouvoirs autoritaires avec des visées révisionnistes, y compris sur euh, le système international, le rôle d'acteurs non étatiques, qui ont une vraie influence et un rôle parfois de proxy mais parfois tout à fait autonome sur ce terrain-là, soit comme prestataire de services ou fournisseur de, de technologies, soit comme acteurs eux-mêmes, et puis un contexte qui a été favorable à l'essor de stratégies indirectes, en quelque sorte. Mais en parallèle de cette, ce côté un peu plus politique, il y a la mutation de l'environnement international au sens de la mondialisation, la montée des interdépendances qui offre un terrain assez différent à la façon dont on peut faire jouer de l'influence. Euh, l'exemple enfin, le, de la circulation universitaire et étudiante ou l'exemple des diasporas, évidemment, euh, sont parmi d'autres exemples euh, euh, des, des bonnes idées pour voir comment tout d'un coup euh, ces stratégies d'ingérence ou d'influence euh, évoluent, mais aussi euh, la mondialisation financière, par exemple, et euh, toute la discussion sur euh, les financements occultes, euh, la corruption, les paradis fiscaux, etc. Euh, troisième évolution importante, le contexte technologique. Euh, Ce n'est pas juste l'interdépendance technologique, mais c'est aussi la révolution euh, numérique, les réseaux sociaux, mais pas seulement les algorithmes, le hacking, euh, les usines à trolls, les bots, etc. Et puis une évolution des tactiques. Et c'est vrai qu'on voit la façon dont la manipulation de l'information a lieu aujourd'hui est. Et... A une différence avec euh, le type de euh, stratégie informationnelle qu'on pouvait voir sous la guerre froide. Un dernier mot sur l'expression le, 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 interférence en anglais. En fait, en droit international, interference, c'est vraiment la traduction euh, anglaise euh, de ingérence en français. C'est vrai que dans le discours public, hors euh, cadre juridique, elle peut avoir un sens légèrement plus large dans le discours, mais en fait, c'est le cas de ingérence en français aussi. Et donc, de mon point de vue, euh, pour l'essentiel, je ne vois pas de différence analytique ou conceptuelle. La deuxième question qui m'a été posée est celle de savoir ce qu'on fait au CAPS sur ces sujets. Alors, on produit rarement des documents publics, mais il y a au moins un document euh, auquel euh, tout le monde a accès, puisqu'il est disponible sur le site à la fois du ministère des Affaires étrangères et celui de l'IRSEM. C'est le rapport euh, CAPS-IRSEM sur les manipulations de l'information, dont j'ai parlé, qui date de 2018, qui a établi le concept en distinguant euh, de la désinformation. Euh, et qui adressait un certain nombre de recommandations aux, aux autorités, qui se concentraient sur les manipulations d'origine étatique, qu'elles soient directes ou indirectes, et en pointant l'effet de deux facteurs, ça rejoint un peu ce que je viens de dire sur l'évolution du changement, les capacités inédites de diffusion rapide et virale offertes par Internet et par les réseaux sociaux, mais aussi, et ça j'en ai pas parlé, mais c'est très important dans, pour l'ensemble de la réflexion là-dessus, la crise de confiance et la dévaluation de la parole publique ou de la parole de l'expertise dans nos sociétés. Euh, qui y compris produit un débat euh, sur ce qu'est la notion de, de vérité et qui peut avoir un effet assez corrosif sur euh, le niveau de confiance au sein du, du débat public. Je vais évoquer rapidement avec vous quelques autres travaux qu'on a faits. Donc on a continué à travailler sur les manipulations de l'information notamment en élargissant ça au-delà de la focale initiale sur la Russie, qui était très présente dans le rapport de 2018, qui est une focale justifiée mais qui n'épuise pas le sujet. On a travaillé sur l'influence en général. En novembre 2021, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a publié une feuille de route de l'influence. J'en parlerai un peu dans un instant. On a... On a une partie du travail qu'on a fait a contribué à nourrir cette feuille de route. De, deux points peut-être un peu plus spécifiques. Il y a un concept dans le débat euh, euh, académique euh, qui est celui de sharp power, euh, donc de, de deux auteurs euh, américains qui ont développé ça avec l'idée que on n'est pas dans le dans ce qu'on appelait traditionnellement le hard power, la force, la contrainte, euh, la coercition. C'est pas vraiment non plus du soft power avec la séduction et la compétition euh, libre et, et équitable entre des idées alternatives, mais c'est plutôt des stratégies de distraction, de manipulation et surtout qui vise à limiter la liberté d'expression, à favoriser la confusion, à déformer en quelque sorte l'environnement informationnel et au-delà de l'environnement informationnel, l'environnement politique. Et le, le, la formule de Sharp Power euh, tient à cette idée de euh, volonté, d'effort, d'influence pour pénétrer les environnements politiques et informationnels. Et évidemment, là, on est vraiment à un endroit où la distinction entre influence et ingérence euh, est franchie assez rapidement. Deuxième notion sur laquelle on a travaillé et que je mentionne à titre d'exemple, ce qu'on appelle les libertés académiques. Les libertés académiques sont reconnues par le droit international, ce sont des droits fondamentaux, et on observe une, euh, des, des stratégies délibérées pour les remettre en cause, à la fois en ce qu'elles sont une contribution à la vitalité démocratique, ce que je disais sur le fait que la parole qui est discréditée n'est pas que la parole publique, c'est aussi la parole experte, euh, la parole euh, scientifique. Euh, mais aussi euh, remise en cause ces libertés académiques parce qu'elles contribuent à des capacités d'analyse, à des capacités de mise en débat, soit de la situation intérieure, soit de la politique extérieure de, de certains pays. Et donc on voit des stratégies d'intrusion, d'entrisme, de chantage au financement, mais aussi de fermeture de menaces, d'effets de dissuasion, de prises d'otages euh, parfois, euh, explicites ou implicites, euh, dans le milieu en général de la recherche, de l'enseignement, de la coopération scientifique et du débat euh, académique. C'est un sujet qui a été évoqué en France dans un rapport euh, parlementaire euh, présenté par le député Gatolin, mais qui est très prégnant en fait dans plusieurs pays étrangers et pour nos chercheurs qui sont présents dans ces pays étrangers ou qui travaillent sur ces pays étrangers et voyagent. Troisième question qui m'a été posée, euh, l'introduction de l'influence comme fonction stratégique dans la revue stratégique de 2022. Alors, en France, on a longtemps plutôt parlé de diplomatie culturelle que de diplomatie d'influence. L'idée de diplomatie-influence s'est imposée au début des années 2010. Ça correspond à une évolution du, du système international et de la façon de faire de la diplomatie. À l'époque, le ministre euh, parlait de euh, la France comme puissance d'influence. Quand en 2021 le ministre de l'époque, euh, M. Le Drian, présente la feuille de route de l'influence. C'est l'idée qu'on a besoin de moderniser notre propre diplomatie d'influence, mais aussi de s'adapter au constat justement de cette accélération et de ce durcissement de la contestation et de la compétition sur le terrain de l'influence. Et on a besoin de décliner nos propres efforts d'influence aussi à l'aune de cette contestation et de cette euh, compétition. Pas uniquement en termes de perception, mais aussi en termes de perception. À l'époque, la formule, c'est euh, l'influence est un autre nom de la puissance. Euh, L'idée que la, la force armée, la coercition ne sont pas la seule source de puissance et pas le seul terrain de la compétition stratégique. Avec la Revue nationale stratégique, on, entre, euh, on poursuit en fait euh, euh, cette même logique et on entre à, à, dans l'idée que l'influence est une fonction stratégique du point de vue de la politique de sécurité nationale. Donc c'est l'argument euh, que euh, on a besoin de répondre en quelque sorte à ce qu'on appelle l'essor des menaces hybrides, à, à l'hybridité de la conflictualité ou de la compétition, et surtout à l'étendue du spectre que recouvre euh, cette hybridité. Et évidemment, c'est une réponse à un contexte dans lequel on voit, on perçoit des tentatives d'ingérence ou d'influence d'un certain nombre d'États étrangers qui se multiplient. Euh, J'ai évoqué déjà un certain nombre de, de façons, de modalités de cette multiplication. Euh, et il y a deux principaux débats, me semble-t-il, qui sont tout à fait présents dans le discours des experts. J'imagine que vous avez entendu ça dans la première journée de vos auditions. La première, c'est est-ce que dans notre propre stratégie, on doit faire une différence entre les tactiques qu'on s'autorise pour nous-mêmes et les tactiques que pratiquent nos compétiteurs Il euh, y a une ligne de crête délicate entre une approche qui serait purement défensive, qui est tout à fait légitime évidemment, mais qui est un complexe à mettre en œuvre et deux, pas totalement satisfaisante d'être uniquement dans une approche réactive, et une approche offensive euh, qui... Présente le risque de recourir aux procédés qu'on impute et qu'on critique chez nos compétiteurs, justement, et à mon sens, qui se retournerait contre nous, à la fois en termes de crédibilité interne. J'ai dit tout à l'heure qu'un des sujets, c'était la défiance vis-à-vis -vis de la parole publique. Évidemment, si on alimente nous-mêmes le débat là-dessus, on a un problème de crédibilité interne, mais on aurait aussi un problème de crédibilité vis-à-vis -vis des États étrangers, vis-à-vis -vis des tiers. Et donc, une posture offensive est légitime, mais elle est. A priori, il faut la construire plutôt sur la force de nos idées, de notre modèle, de euh, nos politiques, des politiques qui nourrissent notre influence, euh, et pas euh, sur euh, ces tactiques euh, qui sont problématiques. Le deuxième débat, c'est est-ce que l'influence est l'objet direct de la politique Est-ce qu'on a une politique d'influence pour faire de l'influence, ou est-ce qu'on fait des politiques qui construisent une influence quand on fait la feuille de route, on a la volonté de ne pas réduire les politiques qui contribuent à notre influence à cette dimension instrumentale et compétitive. Et ma conviction reste que l'influence est plutôt une résultante de toutes les politiques à vocation extérieure, et y compris d'un certain nombre de politiques à vocation interne. On voit bien qu'un certain nombre de discours sur la politique interne de la France ont des résonances très fortes à l'international y compris d'ailleurs euh, la résultante d'une partie de l'action non gouvernementale rattachée à la France, plutôt que euh, euh, l'idée que l'influence serait l'objet direct d'un euh, certain nombre d'actions publiques ou de politiques publiques. Pour le dire autrement, quand on fait du développement, quand on fait de la diplomatie culturelle, quand on promeut l'enseignement français à l'étranger, quand on fait de la coopération scientifique, tout ça, c'est des politiques qui ont leurs objectifs propres. Et il faut conserver l'idée que ces objectifs propres sont les objectifs premiers et l'influence est censée en, en résulter. Euh, on m'a ensuite posé la question, donc l'analyse du CAP sur l'évolution des ingérences étrangères en France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le CAP ne travaille que très marginalement sur la situation en France. Sur les affaires intérieures de notre pays, donc je ne vais pas euh, vous partager avec vous une analyse que nous ne faisons pas sur les ingérences étrangères. Il euh, y a un certain nombre de travaux. Je sais que vous avez reçu des gens qui travaillaient là-dessus, euh, et j'imagine que la suite des, des auditions permettra de le faire. Mais l'observation internationale montre que, dans l'ensemble, il y a probablement, évidemment, une intensification, une multiplication et une diversification des vecteurs, des tentatives d'ingérence étrangère dans la vie politique et économique d'un certain nombre de pays. Euh, elles sont plus importantes que euh, par le passé, elles ciblent aussi probablement des forces politiques qui sont plus importantes dans leur système euh, politique euh, que ça ne pouvait être le cas par le passé, en tout cas sur la période depuis la fin de la guerre froide. Elles ont aussi des instruments qui se sont construits en s'adaptant à nos vulnérabilités, aux vulnérabilités qui ont pu être endifiées. Et le nombre d'États actifs sur le terrain de ce spectre qui va de l'ingérence à l'influence problématique est plus important. Et ça n'est certainement pas uniquement une politique de grande puissance. Quelques remarques aussi sur les, les terrains que vous mentionnez, toujours à partir de cette observation qui est davantage centrée sur ce qui se passe sur la scène internationale que sur la France. Oui, évidemment, il y a euh, des tentatives d'ingérence sur la vie politique au sens direct, du recrutement, du lobbying, de la corruption nationale et européenne, euh, mais il y a aussi des stratégies indirectes sur la sphère informationnelle. On pense beaucoup aux médias et aux réseaux sociaux, mais en fait c'est l'ensemble du champ informationnel. Ce n'est pas juste pour employer un mot un peu pédant que je dis sphère informationnelle, mais c'est bien aussi, par exemple, L'ensemble de l'Internet, euh, les infrastructures, euh, les algorithmes, euh, un certain nombre d'autres éléments qui contribuent à cette sphère. Toute la partie monde de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche, y compris euh, la partie moins académique euh, de ces activités, typiquement sur les sujets dont je m'occupe, les think tanks, euh, mais je crois qu'on vous en a parlé lors de la première journée euh, aussi. Euh, toute la partie technologique notamment avec les technologies de contrôle et de surveillance affichées ou clandestines, euh, mais pas uniquement, les normes, les standards, euh, les normes politiques, mais aussi les standards industriels, les standards technologiques, euh, la capacité d'accès aux données euh, que ces normes et standards euh, peuvent permettre, le fonctionnement des organisations internationales, dont on ne parle pas tout le temps et qui peuvent avoir euh, de façon euh, très très euh, forte, même si c'est indirect, un impact ensuite sur euh, euh, la vie politique euh, nationale. Euh, <coughs> et il y a diverses façons de faire de l'influence, pour ne parler que d'influence, dans les organisations internationales. Euh, L'évaluation des risques que représentent ces ingérences dans chacune des sphères évoquées ci-dessus. Alors comme je suis déjà long, je ne vais pas euh, faire ça systématiquement, mais en, en quelques mots... Je pense qu'on revient, c'est pour ça que je le mentionnais tout à l'heure, à une situation qui est en partie, évidemment, uniquement en partie, comparable à ce qu'on a connu sur la guerre froide, à la fois en termes de euh, recherche de capacité d'une forme de subversion et en termes de cette discussion sur euh, est-ce que le fait que nous ayons des systèmes politiques ou sociaux plus ouverts euh, que d'autres pays euh, est une forme de vulnérabilité, et comment est-ce qu'on euh, répond à cette vulnérabilité sans euh, briser cette ouverture Évidemment, les opérations russes ou chinoises dans ce domaine cherchent à fragiliser nos propres systèmes politiques, à fragiliser notre cohésion nationale, à fragiliser la confiance qu'on peut avoir dans ces systèmes, ce système politique et dans cette cohésion nationale, et alimentent, voire suscitent des effets d'alignement en notre défaveur. Et typiquement, on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine, mais ça ne date pas de, 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 uniquement de cette dernière année. Dans le premier cas, la fragilisation de nos systèmes politiques. Difficile de penser qu'il s'agit d'autre chose que d'ingérence dans nos affaires intérieures. En tout cas, quand c'est légal, euh, clairement, c'est problématique et il faut trouver euh, euh, un remède, c'est-à-dire soit adapter l'application de la règle de droit. Par exemple, la question du retrait de licence à des opérateurs qui ont pu être autorisés par le passé et qui, dont on considère qu'il ne faut plus les autoriser, voire modifier la règle de droit euh, elle-même. Dans le second, cette idée de susciter des effets d'alignement, évidemment, <coughs> il s'agit d'une influence pour depuis la scène internationale, contraindre notre action et pas juste euh, euh, faire évoluer l'action euh, des autres États. Et donc, on, on a en parallèle un effet de refermeture de leur propre espace de liberté interne, mais aussi des espaces de liberté dans les pays tiers. Euh, euh, de la part des États qui, alimentent, euh, qui adoptent ces stratégies. On le voit en ce moment avec euh, une tendance très forte à la restriction de la liberté de la presse, de la liberté d'association, de la capacité de la société civile en général à coopérer avec des acteurs étrangers, euh, de euh, euh, la restriction de l'espace pour les défenseurs des droits humains, de la censure ou de la fragmentation sur l'ensemble du cyberespace de la diffusion de technologies de contrôle euh, social et euh, dans son discours en août dernier, la ministre a mentionné le besoin de soutenir la résilience démocratique dans un certain nombre de pays soumis à ces euh, tendances euh, autoritaires ou en tout cas à la refermeture des espaces de liberté évidemment. Euh, c'est euh, une des raisons pour lesquelles cette, ce propos est tout à fait d'actualité, c'est que c'est un enjeu stratégique au-delà même de l'importance de défendre un espace de liberté au nom euh, des droits humains. Et donc on a à la fois euh, aujourd'hui. Une forme de propagande ouverte, par exemple quand les États-Unis organisent euh, le sommet des démocraties et que l'ambassadeur russe et chinois écrivent dans un, une revue américaine un article pour expliquer en quoi eux, elles, elles aussi, leur pays aussi, sont des démocraties euh, et néanmoins ne peuvent pas souscrire à la démarche américaine et sont euh, vexés de ne pas avoir été invités. Et puis on a aussi et surtout toutes ces actions de désinformation ou de manipulation de l'information sous couvert avec cette volonté d'avoir un effet de corrosion qui évidemment s'inscrit dans la durée, mais qui vise à saper la confiance dans les institutions de la démocratie, qui vise à alimenter, euh, si ce n'est à provoquer, la polarisation de la société, qui vise à créer des dissensions entre alliés sur la scène internationale, entre partenaires, euh, et à renforcer l'attrait pour les régimes ou les pratiques autoritaires. Et à créer cette espèce de magma où il est difficile de distinguer le, le faux du vrai. Euh, on l'a vu avec la diplomatie du masque, euh, on l'a vu euh, avec la diplomatie du vaccin. Euh, C'est évidemment une stratégie qui existe à l'échelle internationale et pas juste à l'intérieur des systèmes internationaux. On voit d'ailleurs en réponse à, cette, à ces tendances-là un certain nombre de, de coïncidences, au sens de convergence, dans les réponses qui sont mises en place par les États, c'est-à-dire la question du financement de la vie politique en général. Euh, la transparence des sources de financement, y compris de la publicité politique, l'interdiction du financement de la vie politique par l'étranger sont des mesures qui sont de plus en plus prises et discutées dans un certain nombre de pays démocratiques et pas uniquement. L'idée d'encadrer les activités des personnalités qui ont une carrière politique ou qui ont été hauts fonctionnaires progresse aussi. La lutte contre la corruption en général. Le renforcement de l'indépendance, du pluralisme, des moyens de la presse, la régulation des plateformes, des médias sociaux. Le fait de préserver ce qu'on appelle les communs numériques, les infrastructures ou tout ce qui contribue plus généralement au caractère libre, ouvert et sûr du cyberespace, et puis une développe, un développement de la coopération interne sur ces sujets. Ça existe au G7 depuis le sommet de Charlevoix, qui devait être en 2018, si je ne me trompe pas. Ce que j'ai dit à l'instant sur la résilience démocratique, l'idée euh, d'aider un certain nombre de pays, par exemple, à renforcer leur souveraineté numérique, y compris euh, dans un partenariat de l'Europe avec ces pays, par exemple dans l'Indo-Pacifique ou en Afrique. La dernière question qui m'avait été posée était la présentation de nos analyses par zone géographique. Alors on ne fait pas vraiment d'analyse systématique par zone géographique. On le fait d'autant moins, comme je disais tout à l'heure, notre, euh, notre objet est d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ce que font déjà les autres services et les postes. Donc on, on, on ajoute à ce qui existe déjà. Mais on peut discerner un certain nombre de tendances générales et des effets d'imitation. Et donc il n'y a pas forcément toujours de spécificité par zone ou par acteur puisque les effets d'imitation font que les, les pratiques convergent ou en tout cas apprennent les unes des autres. Euh, J'ai déjà cité quelques-unes de ces tendances, mais pour insister, la multiplication des acteurs étatiques en mesure de développer des actions d'influence qui peuvent tourner à l'ingérence, le recours par les acteurs étatiques à des acteurs non étatiques, mais aussi l'autonomie d'acteurs non étatiques qui développent leur propre soit technologie, soit euh, stratégie et l'instrumentalisation des systèmes euh, démocratiques pour s'en gérer directement dans nos affaires intérieures et cette diversification et cette complémentarité des moyens et des tactiques c'est ça la logique de l'hybridité c'est pas juste de faire du numérique plutôt que du militaire c'est le fait d'utiliser plusieurs euh, plusieurs tout, tout le clavier euh, à la fois et donc de recourir, par exemple, autant à nos vulnérabilités sociales qu'à des vulnérabilités euh, technologiques, comme par exemple dans le cas de l'affaire Pegasus. Donc on n'a pas de travail exhaustif. Quelques points pour finir. Euh, je crois que vous avez entendu Frédéric Charillon, qui a une typologie de l'influence, pas de l'ingérence. Euh, séduction démocratique libérale, déstabilisation euh, autoritaire et croyance euh, euh, rémunérée. Je pense que c'est une euh, typologie qui a son intérêt. C'est elle elle est, euh, une typologie. Donc euh, aucune méthode n'est totalement propre à un pays où aucun euh, type de, de régime euh, n'utilise qu'une façon euh, de faire de l'influence. Mais les tendances qu'il pointe sont, euh, sont euh, exactes. Moi, j'ajouterais quand même une dimension idéologique. Euh, qui existe, qui est assez forte, euh, qui, pas, euh, qui euh, évidemment n'a pas disparu euh, aujourd'hui. Sous la guerre froide, on appelait ça les idiots utiles. C'est un phénomène qui n'a pas complètement disparu. La Russie euh, a développé, elle est connue pour ça, des stratégies de manipulation de l'information. Moi, je voudrais peut-être mentionner ce matin euh, le, le cas qui devient de plus en plus euh, euh, évoqué de plus en plus souvent, qui est ce qu'on appelle la galaxie Prigogine. Donc Prigogine, c'est ce proche de Poutine qui est notamment connu pour euh, être le dirigeant de, de Wagner, comme il a fini par l'admettre. <coughs> En fait, au-delà de Wagner, il y a toute une galaxie avec des médias, de la production cinématographique et donc tout un tas d'opérations de propagande en ligne. Et c'est un bon exemple de la complémentarité, entre guillemets, y compris avec des logiques plus coercitives, donc Wagner, les logiques de prédation, etc. Et on voit que la stratégie russe, c'est quand même plutôt une stratégie de subversion et de confusion. La Chine est à la fois un bon exemple euh, de pays qui euh, apprend. Euh, qui emprunte à d'autres partenaires. Elle euh, clairement apprend beaucoup des méthodes russes pour intervenir dans les sociétés occidentales. Euh, elle a ses propres, euh, ses propres cibles, euh, Taïwan évidemment, mais elle joue aussi avec ses spécificités, elle a des, des, des instruments ou des euh, particularités qui ne, sont, qui ne sont pas partagées par la Russie, euh, sa communauté d'expatriés, le nombre de ses étudiants à l'étranger, son réseau culturel à l'étranger, ses capacités technologiques, on se souvient des discussions sur la 5G, son affirmation dans les organisations internationales, sa, politi sa politique de connectivité et d'infrastructure. Et donc là, par rapport à ce que je disais sur la Russie en termes de subversion de confusion, on voit dans le cas de la Chine une stratégie qui est plutôt partie d'une logique de contrôle de ce qu'on dit sur elle et de euh, la façon dont on, on parle de euh, sa, sa conception extensive de ce que sont les affaires euh, intérieures chinoises <coughs> et des efforts de désalignement d'un certain nombre d'acteurs euh, extérieurs à de plus en plus une stratégie qui alimente la contestation des normes. Euh, et qui promeut une forme de, de modèle alternatif. Ce qui est intéressant dans la différence entre ces deux modèles, c'est que dans les deux, on voit très bien euh, le développement d'une forme de, de relativisme. Je vais peut-être m'arrêter là pour pas être trop long, parce que je l'ai déjà été beaucoup, euh, et je répondrai volontiers à vos questions. Je vous remercie, Monsieur Lafourape. Nous, écoutez, j'ai quelques questions rapides. Je vous prierai de décider dans les réponses. À beaucoup plus court parce que nous avons beaucoup de commissaires aujourd'hui et tout le monde évidemment est légitime à poser ses questions et à avoir euh, des réponses donc il faut que tout le monde puisse passer dans le temps euh, imparti même si on peut déborder évidemment un peu si c'est nécessaire vous êtes le premier sauf erreur euh, de ma part si je me souviens bien des auditions la semaine dernière à parler du droit international ou en tout cas de l'établissement de critères dans le droit international sur ce qu'est euh, qu euh, le spectre influence-ingérence vous avez parlé de l'article 2 de la charte des Nations Unies, vous avez parlé d'autres textes, est-ce que, sauf si bien sûr rien n a trop, ou vous les avez pas sur, avec vous ce qui serait tout à fait légitime, vous pourrez nous les transmettre, euh, mais est-ce que d'une part vous pouvez nous parler euh, un petit peu de ces textes, qu'est-ce qu'ils définissent exactement, et aussi ne, notamment depuis la chute de l'URSS et l'émergence des nouveaux acteurs de puissance dont vous avez parlé, est-ce que euh, ces textes sont euh, paralysés, détournés, est-ce qu'il y a des discussions en interne, ou est-ce qu'au contraire plus de nouvelles puissances apparaissent, plus ces textes euh, ont un usage théorique Euh, alors, l'avantage de la Charte des Nations Unies, c'est qu'une fois qu'il y a quelque chose dedans, normalement, il n'y a pas vraiment besoin de faire autre chose, mais il y a effectivement un certain nombre d'autres textes qui reprennent et élaborent un peu autour. Par exemple, il y a une déclaration des Nations Unies euh, de 1970 relative au principe du droit, droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte qui est un texte adopté aux Nations Unies. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont tirées de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, qui, dans un certain nombre de cas, a eu à traiter spécifiquement de la question de l'ingérence. Par exemple, dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, il est établi clairement qu'un embargo, ce n'est pas une ingérence. Parce qu'on n'a pas droit à faire du commerce avec un État. Et donc, en quelque sorte, l'État qui accepte que vous commercez avec lui euh, offre quelque chose qu'il n'est pas tenu euh, de faire. Et donc, un embargo n'est pas une ingérence. Par contre, une livraison d'armes à des euh, paramilitaires, des groupes paramilitaires sur euh, votre territoire, ça, oui, c'est une ingérence. Et c'est de cette. Euh, euh, jurisprudence que euh, j'ai tiré le fait qui euh, correspondait déjà à l'état du droit international mais qui a été explicité et, et réaffirmé de façon très claire par la cour internationale de justice sur le fait que prendre position sur les affaires intérieures d'un État n'était pas forcément une ingérence dès lors que ces affaires intérieures avaient un lien avec des engagements juridiques pris par l'État euh, en question. Et donc un État qui souscrit à des textes internationaux sur les droits de l'homme, vous avez, vous êtes légitime à parler de la façon dont il les respecte ou pas, euh, indépendamment euh, du principe de non-ingérence. Est-ce que ces principes sont contestés le, le principe en lui-même n'est pas contesté et ça serait très difficile de le contester puisque encore une fois ça renvoie à un principe qui est fondamental dans l'ordre international et auquel tous les États sont attachés, qui est celui d'égalité souveraine entre les États. Pas juste la souveraineté de chaque État, mais leur égalité souveraine. Évidemment, la contestation dès lors, elle se situe pas au niveau du principe, elle se situe sur l'interprétation qu'on peut avoir de ce qui constitue euh, une ingérence ou pas et euh, de jusqu'où euh, le fait d'avoir pris des engagements internationaux autorise un État tiers à venir euh, mettre son nez dans ce que vous vous. Comme étant vos affaires intérieures, plus une définition parfois extensive de ce que sont les affaires intérieures d'un État, quand en fait la réalité de, 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 des frontières internationales ou de la situation, du conflit, de la dispute qui peut y avoir entre deux États ou deux territoires n'est pas si claire que ça du point de vue du droit international. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que la discussion va avoir lieu. Dans le rapport public dont vous avez parlé en 2018, si j'ai bien compris, il me semble que vous avez analysé par exemple l'échec des, des Macron Leaks comme une, une preuve que l'écosystème médiatique français, politique et juridique français euh, était, euh, était sain, était bien organisé, et aussi euh, que notre, nos, nos concitoyens s'informaient. On l'a vu encore en 2022. Il y a des sondages qui sont réalisés notamment par l'IFOP sur l'utilisation euh, des médias dans la campagne, la, la perception par les concitoyens et sur quel type de médias. Euh, les Françaises et les Français s'informent et ont décidé leur vote. On voit une persistance d'élection en élection, avec assez peu de changements finalement, que les Français continuent à s'informer par euh, la télévision traditionnelle, les médias papier traditionnels, la radio. Il y a une petite émergence d'Internet et, et des réseaux sociaux, mais pas forcément dans les, dans les ordres de grandeur, en tout cas. Dans euh, ces études IFOP. Après, l'étude IFOP ne fait pas l'entièreté, évidemment, d'une analyse euh, de la situation. Euh, et inversement proportionnelle aux commentaires qu'elle suscite, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les réseaux sociaux décident des élections quand on écoute certains, euh, certains commentaires. Est-ce que vous avez vu, une, euh, ma question, est-ce que vous avez vu des, des changements entre 2018, donc les élections 2017, et maintenant euh, Un maintien de, 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 de l'écosystème français comme euh, relativement protecteur euh, d'un débat public serein et démocratique, ou au contraire une dégradation, euh, une dégradation de la qualité de ce débat, et donc un, une efficacité plus grande des, in, des ingérences étrangères. Alors, euh, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe euh, sur la France, donc je ne me suis pas penché sur la question que vous posez euh, en tant que telle. À l'échelle internationale, il me semble que oui, il y a une dégradation de euh, ce qu'on peut appeler euh, le, les, les forces de rappel au sein euh, des écosystèmes, euh, des environnements, des champs, des sphères informationnelles et des systèmes euh, politiques, euh, à la fois parce que euh, le, la, ce qu'en quelque sorte constitue le terreau des, de ce que peut être, peuvent être des tentatives d'ingérence ou d'influence. Euh, ne va pas dans le sens d'une amélioration. Il y a un degré de polarisation des vies politiques en général, euh, notamment dans euh, ce qu'on peut appeler les démocraties occidentales, mais pas uniquement, euh, et le rôle de l'argent et le rôle euh, que les réseaux sociaux peuvent avoir, pas forcément sur la façon dont les citoyens, les, les citoyens qui vont voter euh, euh, s'informent de façon euh, massive au moment d'une campagne électorale, mais sur la façon dont euh, L'agenda médiatique est construit sur la façon dont euh, les plus actifs, euh, notamment dans les systèmes où euh, il y a des élections primaires euh, avec peu de participants, on peut penser aux États-Unis, euh, euh, sont effectivement très sensibles euh, à ce genre de, de, de capacité d'information. Donc. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la France, mais il me semble que, euh, euh, clairement, il euh, n'y a en tout cas pas d'amélioration de, euh, de la situation sur ce qui a permis à ces euh, tentatives, euh, ce, qui est, ce qui a justifié que ces politiques d'ingérence et d'influence se développent et se renforcent. Et très clairement, un autre élément de la dégradation, c'est la multiplication des acteurs qui voient là un terrain de jeu dans lequel ils pensent qu'il faut être présent. L'autre chose, c'est que euh, je n'étais pas au CAPS à l'époque où euh, on a fait le rapport avec l'IRSEM de 2018, mais évidemment, je le connais euh, assez bien. Euh, de mémoire, ce que dit la partie sur euh, les Macron-Lix, ce n'est pas qu'on a euh, un écosystème sain et protecteur au sens de euh, tout va bien et euh, on peut se, se réjouir d'avoir une situation euh, euh, qui finalement nous prémunit contre une forme de risque. De risque, c'était plutôt le fait d'identifier ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et donc d'insister à l'aune de ce qui en l'occurrence avait marché, mais qui ne constitue pas une garantie que ça marcherait forcément, d'identifier ce sur quoi il fallait insister à la fois euh, effectivement euh, la façon dont euh, les gens s'informent, euh, la qualité de l'espace euh, euh, médiatique et sa capacité à euh, continuer à avoir des financements qui lui permettent à la fois d'être indépendant, de faire des enquêtes, de créer du débat, euh, travailler sur cette histoire de confiance vis-à-vis -vis de la parole publique et de structure euh, de, euh, du débat public et de la forme que prend le débat public. Euh, encore une fois, je, sans, sans parler spécifiquement de la France, il suffit de regarder la façon dont le débat a eu lieu pendant la Covid, qui est exactement au milieu de la période que vous décrivez, pour bien voir que la capacité de polarisation d'absence de confiance dans ce que dit euh, une autre partie du débat qui est considérée assez rapidement comme une partie adverse euh, ou problématique, et qui n'a pas juste un avis différent, euh, mais qui a un avis euh, dangereux, et donc d'avoir une vision du débat public qui est beaucoup plus confrontationnelle que euh, maïotique ou démocratique, clairement, j'ai du mal à penser que euh, ça a évolué dans la bonne direction à l'aune de ces, de ces éléments-là. Euh, pour parler au, au niveau européen, il y a régulièrement des sondages qui sont faits sur l'image des chefs d'État étrangers dans différents pays européens. Je c'est dans tous les pays européens, mais au moins en Italie, Espagne, Royaume-Uni, euh, Allemagne euh, et France aussi. Mais là, que, que, pour pas revenir sur la question de la France, euh, généralement, ces sondages montrent une, une opinion publique euh, qui a un avis extrêmement négatif sur euh, les dirigeants russes, sur euh, les dirigeants chinois, les dirigeants américains. Euh, C'était très négatif sur Monsieur Trump, pendant en dehors de quelques États particuliers, mais qui n'étaient même pas en Europe. Je crois que c'est en Israël où ils s'en sortaient. Mais sinon, l'image de M. Trump était très mauvaise dans tous les pays européens. Bon, Vladimir Poutine, doit, euh, sa popularité doit être entre 5 et 20 et encore, je suis large, plutôt moins de 10 euh, dans les pays. Donc finalement, ces, euh, je ne pense pas que le, direct, le président chinois, enfin, si on peut l'appeler comme ça, soit testé, mais enfin, je ne pense pas que la popularité de. De, de, des hiérarques du Parti communiste chinois sont très populaires en, en Europe. Donc finalement, toutes ces tentatives d'ingérence, alors pas en France puisque vous n'êtes pas expert, mais dans, chez nos voisins européens, bah, ça n'a pas l'air de porter ses fruits. Donc est-ce que, est que finalement, vous, votre regard d'expert, c'est certes il y a des ingérences, mais finalement, bah, l'éducation, l'éducation qu'on apporte évidemment dans, dans nos démocraties, le débat politique, les experts comme vous qui interviennent, voilà, le, le fait que nous vivons dans une démocratie, est-ce que finalement, ça résiste Alors je ne dis pas que tout est parfait, c'était pas du tout le sens de ma première question. Mais euh, voilà, nous on est censé euh, constater, étudier euh, l'ingérence. Il faut s'en inquiéter bientôt. Mais est-ce que aussi, euh, quand même, on peut aussi se, se réjouir, enfin satisfaire que ces tentatives aient l'air, en tout cas sur la popularité de ces euh, dictateurs, pour le, le cas chinois et russe, euh, soient en faillite euh, Alors, euh, il y a deux choses. D'abord, l'objectif de ces politiques d'ingérence ou même en rester uniquement aux politiques d'influence et pas forcément de donner une bonne entreprise de, pour prendre le cas de l'art ici, Vladimir Poutine lui-même. C'est éventuellement aussi, dans certains cas surtout, c'est pour ça que je parlais de stratégie de confusion et de subversion, plutôt de, de créer de la dissension, de jouer sur les différences, les divergences, les divisions au sein euh, d'un État. Et de ce point de vue-là, si vous regardez euh, les sondages sur la situation en Europe, il y a un certain nombre de pays dans lesquels la situation est plus contrastée. Je pense qu'effectivement, si on regarde l'image de Vladimir Poutine, euh, elle n'a elle a jamais été particulièrement euh, bonne en moyenne, mais il y avait des situations variables. Mais là, si vous regardez aujourd'hui l'image de la Russie ou euh, la question de... Euh, la responsabilité de Russie, de, la, de, de Vladimir Poutine ou de la Russie dans le fait d'avoir la responsabilité première de l'acte d'agression militaire contre l'Ukraine, je pense que la situation est un peu plus compliquée. Et si vous sortez de l'Union européenne pour ne pas aller très loin, par exemple dans les Balkans, là, vous avez une situation encore plus contrastée, voire euh, assez différente de ce qu'elle est en moyenne euh, en France. Et donc, il ne faut pas confondre euh, justement une forme de propagande... Euh, un peu euh, simpliste et manichéenne qu'on pouvait avoir euh, il y a quelques décennies, notamment dans la période de guerre froide, avec euh, les stratégies euh, actuelles qui sont des stratégies euh, plus indirectes. Et donc le deuxième point, c'est cette idée de confusion et de subversion. Euh, c'est pour ça que je parlais à un moment du fait qu'on euh, finissait par avoir. Le, le fait qu'on finisse par avoir dans le débat public hein, des. des discussion aussi euh, passionnée parfois véhémente et confrontationnelle euh, et je, en tant que citoyen je le vois en France mais encore une fois moi je regarde ça à l'échelle internationale et c'est vrai à l'échelle internationale même au delà de ce qu'on peut appeler le monde occidental euh, sur, le, sur ce qui est la vérité euh, c'est bien parce que il y a un effort de redéfinition de euh, ce à quoi on peut avoir confiance ce qui est euh, une référence commune ce qui est une norme universelle, que ce soit une norme juridique euh, ou une norme euh, politique. Euh, et oui, absolument, il y a une forme de, de contestation euh, de l'univocité de normes qui sont des normes fondamentales, euh, qui sont au cœur des objectifs de ces stratégies d'ingérence, qui ne sont pas nécessairement des stratégies de promotion de l'image du pays ou du dirigeant. Quand la Chine fait de la diplomatie du masque, évidemment, elle cherche à promouvoir l'image de la Chine. Et si en plus de ça, elle pouvait augmenter la popularité de Xi Jinping dans les pays européens, ça serait formidable. Mais en vrai, ce qu'elle cherchait, c'était plutôt que les gens aient une bonne image de la Chine, ou en tout cas une meilleure image de la Chine, et euh, qu'ils attribuent à la Chine une aide plus importante dans leur perception que ce qu'elle était en réalité. Et je pense que la, la période de la Covid n'a pas au total parfaitement profité à l'image de la Chine dans le monde et en Europe, mais que sur ce terrain-là, sur le terrain de la ré, la, la, le décalage entre la perception et la réalité de l'aide qui était apportée respectivement par les Européens entre eux ou à leurs étrangers proches, à leur voisinage, comme par exemple les Balkans, et la perception de ce qu'était l'aide chinoise, il y, y a un écart assez important. Qui, qui montre le succès le potentiel de succès d'une stratégie d'influence bien faite merci madame la rapporteure Merci, Monsieur le Président. Euh, merci beaucoup, euh, Monsieur, de, de votre présentation, que j'ai trouvée euh, extrêmement euh, riche, extrêmement complète et très précise, en nous permettant d'aller euh, un peu plus loin dans la compréhension d'un certain nombre de, de phénomènes euh, qui revêtent effectivement euh, un caractère euh, de plus en plus euh, sophistiqué, euh, hybride. Vous, vous l'avez, euh, je pense, assez bien montré. Euh, j'ai trouvé cela très, très éclairant. Euh, j'ai également. Euh, euh, trouvé euh, intéressant que vous rajoutiez aux trois euh, euh, critères de la typologie euh, présentée par Frédéric Charillon euh, le, 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 le critère euh, ou, ou le descriptif euh, d'une stratégie euh, euh, d'ordre idéologique en faisant référence euh, et, et, et qui existe toujours et encore en faisant référence à la fois à ce qui se passait par exemple euh, oh, il y a quelques décennies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les, les idiots utiles les compagnons de route hein, nous avons bien connu ça notamment dans, dans notre pays les compagnons de route, aussi bien du, du régime soviétique que, que du régime euh, maoïste, euh, compagnon de route euh, idiot utile, et que, et que cette euh, stratégie-là d'influence/slash ing ingérence euh, continue euh, fortement euh, dans, dans nos démocraties, même si elle revêt des, des aspects maintenant euh, extraordinairement euh, sophistiqués qui, qui n'empêchent pas la, la brutalité et l'agressivité, mais, mais tout cela est, est, est devenu assez, euh, assez sophistiqué. Mais, mais, mais les idiots utiles euh, d'un ensemble de, de régimes, euh, que ce soit le régime russe ou le, ou le régime chinois existe toujours dans, dans notre euh, pays. J'ai trouvé ça euh, intéressant de, de le redire euh, devant les membres de, de notre commission euh, d'enquête. Moi, je voulais, euh, avant que euh, nos collègues puissent éventuellement également euh, prendre part à, à ces échanges, euh, vous, vous interroger sur, euh, euh, par-delà la, la feuille de route, euh, la revue de... de euh, stratégique de défense euh, qui, qui identifie effectivement la nouvelle fonction stratégique, influence et ce qui doit être mis en œuvre sur euh, euh, ce que vous précisément, par-delà justement la feuille de route, etc., pourriez préconiser comme mise en œuvre euh, de, de notre stratégie euh, de, de défense, voire de contre-ingérence. Je ne sais pas si ça ne vous amène pas à éventuellement. Euh, Sortir un peu de, de votre rôle. Mais enfin, et, et vous, vous avez souligné la complexité, la difficulté, euh, la ligne de crête est étroite pour euh, nos, nos démocraties, nos, nos régimes démocratiques, à ne pas euh, tomber dans l'utilisation ou le recours à des euh, euh, mécanismes ou, 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 ou tactiques qui, ne sont, qui sont celles d'autres formes de, de régimes, que nous ne saurions reprendre à notre compte. Mais néanmoins, il nous faut quand même être euh, également à l'offensive, comme vous le disiez. Donc, euh, Concrètement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces mécanismes de défense, d'action et, et de contre-ingérence Merci. Pardon. Euh, pour ce qui est effectivement de, de, des travaux qu'on a menés au CAPS, et je ne prétends pas du tout que ça épuise le sujet, deux choses que je peux partager avec vous. La première est... Euh, cette idée que j'ai mentionnée dans mon intervention, euh, que l'influence est la résultante d'une action qui a son objectif propre d'abord. Typiquement, euh, la meilleure réponse à la diplomatie du masque et à la tentative de diplomatie du vaccin qu'on pouvait faire, ce n'était pas uniquement une campagne informationnelle pour mieux dire aux Italiens, aux Allemands, aux Balkaniques, aux, aux pays du Sud que... On aidait euh, ces pays et avoir des euh, tweets avec euh, des, euh, des, euh, des graphiques qui montrent euh, les proportions respectives, c'était de renforcer cette aide. Euh, la meilleure façon de lutter contre euh, cette, cette tentative de raconter une histoire un peu différente de la réalité à l'occasion de la crise de la Covid, c'était d'être effectivement ceux qui étaient en pointe dans le fait de lancer. Une stratégie de partage, diffusion du vaccin, et y compris de production locale dans des pays qui aujourd'hui n'ont pas de capacité de production locale, avec l'idée que derrière ça peut servir à l'avenir. Et c'est quelque chose qu'il faut poursuivre au-delà de la période de crise, parce qu'on a besoin de cet effort de long terme. Aujourd'hui, sur euh, la crise de la sécurité alimentaire la meilleure façon de contester euh, le, le, la version de l'histoire que la Russie cherche à promouvoir de euh, les difficultés d'exportation de blé c'est la faute euh, de, de l'Ukraine et des pays de l'OTAN qui la soutiennent euh, ça n'est pas d'essayer de euh, balancer des chiffres dans des communiqués de presse qui sont importants aussi parce qu'il y a des gens qui lisent ces communiqués de presse, il n'y a pas personne qui lit ces communiqués de presse, mais ça ne parle pas à tout le monde. C'est d'abord de s'assurer qu'il y a effectivement des efforts pour que le blé euh, ukrainien puisse sortir d'Ukraine, y compris par la mer Noire, et qu'il arrive à des populations qui en ont besoin. Euh, et, et on voit bien que c'est plus difficile aujourd'hui pour euh, la Chine, qui a d'abord passé beaucoup de temps à reconstituer ses stocks de céréales à elle plutôt qu'à essayer de chercher une solution pour les pays tiers ou pour la Russie dont tout d'un coup on peut constater qu'elle a autorisé le trafic en mer noire et que bizarrement à ce moment là tout d'un coup la situation s'est détendue sur les marchés céréaliers d'expliquer que ce c'est pas leur faute et donc c'est l'action c'est ce qu'on fait plus que ce qu'on raconte qui euh, euh, permet euh, de, euh, de changer euh, la donne. Ce qui est désagréable, c'est qu'évidemment, une stratégie informationnelle de manipuler la manipulation de l'information, ça marche très vite assez fort et une stratégie de réponse par les actes, ça met plus de temps et des fois ça met trop de temps, euh, et donc ça peut avoir euh, créé une forme de frustration. C'est pour ça qu'une fois que c'est en place, il faut continuer l'effort au-delà du moment où euh, la polémique est la plus euh, euh, élevée. Et mon deuxième point, mais je l'ai abordé, et donc je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, c'est cette tentation qu'on peut voir, en tout cas que moi je constate dans une partie du débat euh, des think tanks, qui est euh, puisque une de mes missions, c'est de suivre le débat qui a lieu dans les cercles dans lesquels on débat de politique étrangère. Entre chercheurs, experts, etc., euh, c'est cette tentation de se dire mais après tout, pourquoi est-ce qu'on fait pas pareil Pourquoi est-ce que nous aussi, on se livrerait pas à euh, euh, de, des manipulations de l'information, euh, de euh, l'usage massif de euh, d'algorithmes et de techniques qui permettent de euh, façonner, voire transformer, voire manipuler euh, Voilà. Et je, je pense que c'est très dangereux. Pas juste au sens où c'est inefficace à moyen terme pour les pays qui défendent les principes et les intérêts que nous défendons. Je pense que c'est moins problématique quand on s'appelle Vladimir Poutine, euh, mais aussi ça serait dangereux pour le coup d'un point de vue intérieur et de, de la crédibilité interne nationale. C'est compliqué d'expliquer que ce qu'on fait à l'étranger, on le fait pour de bonnes raisons, mais qu'évidemment tout le monde peut croire qu'on ne fera jamais sur la scène intérieure. Je pense que dans le climat actuel, pas, ça ne sera pas un argument très, très efficace. Est-ce que nous avons des prises de parole de commissaires présents ou en ligne Peut-être les vice-présidents, Madame Jeunté. Ou d'autres commissaires souhaitent intervenir Vous avez une question Madame Cocher. Madame Cochère, faisons. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur, déjà, je vous remercie pour, pour vos explications. Alors, vous avez évoqué le fait que la Chine et la Russie tentent de fragiliser l'adhésion de nos concitoyens à notre projet démocratique. Serait-il possible de nous détailler un petit peu cet aspect et peut-être partager certains exemples et surtout nous indiquer quels sont les moyens à employer Je vous remercie. Alors d'autres que moi seront meilleurs pour expliquer ce qu'on qu constate euh, en France. Euh, encore une fois, pas, je ne passe pas, euh, pas assez parce que ça m'intéresse par ailleurs, mais je ne passe pas de, de temps là-dessus et je n'ai pas le... J Enfin bref, on n'est pas organisé pour travailler là-dessus euh, au CAPS, mais il n'y a pas de raison que ça soit très différent de ce qui se passe dans un certain nombre de pays euh, comparables. Donc je, je peux euh, au moins parler, parler des pays euh, comparables. Vous verrez avec les autres auditions si, euh, si ça se corrobore ici. Euh, euh, J'ai parlé des libertés académiques, c'est un, un sujet que je pense particulièrement euh, important et éclairant, parce qu'on peut avoir l'impression que comme ça c'est un peu lointain ou un peu euh, diffus. Il euh, y a eu en Australie euh, une situation assez compliquée euh, liée à une forme de menace euh, des autorités chinoises de ne plus envoyer d'étudiants euh, chinois dans les universités australiennes. Il se trouve que c'était une partie importante des étudiants étrangers présents dans les universités australiennes et que ça représentait donc une source de revenus importante pour les universités australiennes et que euh, les conditions pour que les étudiants viennent étaient, avaient un impact direct sur la nature des débats possibles, des activités de recherche possibles, des sujets discutés possibles. Euh, voilà. et je prends l'Australie parce que ça a été extrêmement visible euh, à un moment et euh, débattu de façon euh, euh, publique euh, très active. Mais en fait, euh, on a on a constaté des choses euh, euh, similaires dans un certain nombre d'autres d'autres pays, même si ça se voit euh, euh, plus ou moins le, le les instituts Confucius qui se sont installés dans beaucoup de pays, parfois de façon euh, indépendante, mais souvent logés à l'intérieur d'établissements euh, culturels ou universitaires ou de recherche euh, locaux. Euh, il y a aujourd'hui un espèce de mouvement de balancier qui va dans l'autre sens parce que les conditions attachées à ces partenariats devenaient problématiques malgré l'attrait que pouvait représenter l'apport financier qui venait avec le, la coopération. Et donc, euh, vous voyez bien là qu'il y a une forme de... de de motifs au-delà du fait euh, de euh, la politique culturelle ou d'enseignement euh, supérieur, etc. Une façon de procéder qu'en fait on peut retrouver dans d'autres euh, modèles. D'une certaine manière, euh, la, le débat qu'on qu a eu, que vous avez eu euh, notamment, mais qu'on a eu, euh, euh, qu'on a été de nombreux pays du monde à avoir sur euh, la 5G, est un bon exemple aussi de comment est-ce qu'on crée une situation dans laquelle derrière il est possible. Et sur ces sujets, le simple, simple fait que quelque chose soit possible devient assez rapidement problématique, justement parce qu'on est dans un domaine dans lequel la question de la confiance est au moins aussi importante, euh, la question de la perception et de la confiance est au moins aussi importante que la réalité euh, avérée. Euh, la question de la 5G a posé assez rapidement euh, enfin a été posée assez rapidement selon ces termes de jusqu'où ça crée une forme de dépendance ou de vulnérabilité qui pouvait euh, être problématique pour d'autres sujets que celui qui nous occupe aujourd'hui pour la sécurité nationale etc pour euh, de l'espionnage pour euh, euh, la fiabilité euh, des infrastructures de communication euh, qu'on voulait mettre en place mais aussi, euh, sur euh, la façon dont euh, ça pouvait, c est, c est, cette offre technologique pouvait par ailleurs avoir un, un effet sur la façon dont fonctionne euh, le, le, justement le, le lien. Quand je disais euh, le champ informationnel, c'est aussi euh, l'Internet, y compris au sens des infrastructures ou au sens des algorithmes. En fait, il y a une espèce de, de lien entre ces différents éléments et, et tout d'un coup, euh, tout coup le, le, les questions se posent. Euh, Assez, euh, assez différemment. Mais il ne faut pas croire. J'ai plutôt insisté sur ce qui me semblait nouveau ou en tout cas avoir évolué par rapport à des choses qu'on connaît tous euh, plus ou moins. Il y a aussi des choses euh, très classiques. De lobbying, de corruption, de, de recrutement par idéologie ou par affinité. Et, et il ne faut pas croire que tous les gens qui sont recrutés par idéologie, pour par exemple les raisons idéologiques pour lesquelles vous pouvez adhérer au discours de, de Poutine ou de Xi Jinping, ne sont pas forcément que vous êtes nationaliste russe. Ou euh, communiste, euh, d'obédience léniniste, xi Jinpingesque, si je peux dire les choses comme ça. Euh, ça peut être euh, d'autres types d'affinités par rapport à des choses que euh, vous croyez, y compris euh, le traditionnalisme, le souverainisme, euh, une, une conception euh, du système international dans lequel euh, le, la menace ou le risque que font peser les États-Unis avec leur politique est première par rapport à d'autres risques ou d'autres menaces que peuvent faire peser d'autres acteurs. Il y, a, il y a des tas de façons de trouver des affinités euh, euh, idéologiques. Et à la fin, encore une fois, j'insiste sur cette idée de, de confusion, de subversion par la confusion ou par le doute. Euh, je crois que vous avez vu euh, m. charron qui est de, de l'irsem qui, euh, euh, qui donc euh, bosse pas mal sur ces sujets qui a fait un grand rapport sur euh, les pratiques chinoises. vous avez dans le rapport euh, beaucoup mieux que ce que je pourrais dire ici aujourd'hui de mémoire je pense un, un excellent échantillon de toutes les différentes euh, modalités possibles de ces stratégies euh, qui euh, vont de, de l'ingérence à l'influence. juste pour Éviter d'alimenter une forme d'inquiétude. Il y a aussi des pays qui, encore une fois, font euh, des politiques d'influence qui sont euh, non seulement légales mais légitimes euh, et, et qui peuvent nous poser problème avec lesquels on peut ne pas être d'accord par ailleurs parce qu'on a une autre vision des choses. Le, le, il y a des politiques d'influence légitimes qui, euh, par exemple, sur la question de la laïcité, disent des choses assez différentes de ce que nous, on, on porte. Euh, en tant qu'autorité qu française, mais justement là, on revient dans le domaine du soft power et de la concurrence au sens de l'émulation ou du débat d'idées euh, entre euh, entre euh, des, des visions euh, différentes. Simplement, le fait que ça se tienne à l'intérieur d'un cadre sur lesquels on est d'accord et selon des règles du jeu avec lesquelles on est d'accord change assez significativement la donne. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ça, c'est le, le côté euh, les, les règles du jeu, c'est pour ceux qui y croient. Merci. Madame Pic, est-ce que vous avez une question Oui, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question parce qu'on a parlé assez peu, finalement, de l'influence sur les personnalités. Alors, on peut parler des idiots utiles, mais il n'y a pas que des idiots utiles. Il y a des stratégies d'influence sur les personnalités. Vous avez parlé des universitaires. Mais vous avez parlé aussi du rôle d'un oligarque bien connu. Et j'aurais voulu savoir si on avait une idée... Euh, de, de, du fait qu'il y ait des stratégies massives, finalement, dans la sphère économique qui euh, vient en appui euh, des puissances euh, autoritaires. Comment euh, est-ce qu'on a une idée des mécanismes Est-ce qu'on a pu euh, évaluer euh, s'il y avait euh, à la fois dans la sphère informationnelle, euh, qu'il y avait une concordance des temps entre ce qui pouvait se passer dans la sphère informationnelle et euh, dans la sphère euh, économique euh, on, on sait euh, par exemple que euh, les difficultés qu'on a pu avoir à réveiller euh, l'Allemagne vis-à-vis de, de, de la Russie étaient aussi liées. Au fait qu'il y avait des liens forts entre les dirigeants et Gazprom. Donc, est-ce qu'on on, on voit au niveau mondial et au niveau européen cette façon d'agir récurrente Quels sont les mécanismes Qu'est-ce qui pourrait nous permettre finalement d'enquêter sur, sur tous ces réseaux et ces, 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 comment finalement ils, ils parviennent Influer parce que euh, évidemment, que ce soit les journalistes, hein, les politiques, les universitaires et les experts peuvent influencer euh, les, les fin, finalement de, des donneurs d'ordre d'opinion en quelque sorte euh, et, et que euh, ça peut. Euh, euh, on peut parvenir finalement à une dérive sur notre vision, sur nos valeurs liées à ces influences qui ne sont pas toujours très claires et très nettes, mais qui sont pourtant bien coordonnées peut-être. Voilà. Alors, euh, on n'a pas travaillé sur ce sujet d'une façon qui me permet de répondre à la, la partie détaillée de votre question sur comment ça se passe et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur, etc. Euh, mais c'est une très bonne idée. Euh, il faudrait sans doute qu'on y regarde de plus près. Je veux, je veux juste dire deux choses. Euh, la première, c'est euh, un, un bon exemple de la nécessité d'avoir les idées claires sur euh, le, ce qui est illégal, ce qui est euh, légal mais problématique et légitime, et donc face auquel une réponse... Et un changement, y compris le cas échéant de l'état du droit, est euh, euh, légitime et euh, même probablement nécessaire, et ce qui, euh, par ailleurs, est à la fois légal et légitime. Évidemment, la diplomatie française, elle cherche aussi à avoir des relais d'opinion dans les pays avec lesquels elle travaille. Euh, et, euh, et on comprend parfaitement que les pays étrangers présents en France cherchent eux aussi à avoir des interlocuteurs, etc. En fait, c'est indispensable. Ne serait-ce que parce que les relations euh, entre pays ne se résument plus aux relations entre gouvernements. Donc on, on, a, on a besoin euh, de ça. Euh, donc il faut faire attention dans la façon dont on pose euh, cette question à pas se retrouver à euh, condamner ce que font euh, d'autres acteurs euh, d'une façon qui euh, les, leur facilite la tâche dans euh, le procès. Hein, le, Confusion dont je parlais, c'est-à-dire vous voyez bien, vous êtes des hypocrites. Vous faites la même chose que ce que vous nous accusez de faire. C'est donc bien la preuve que c'est juste parce que c'est nous, c'est pas à cause de ce qu'on fait ou c'est juste parce que vous nous aimez pas ou vous êtes hostile ou et, et mon deuxième point donc pour Néanmoins, euh, parce que je pense qu'il y a une différence et qu'il faut justement éviter cette espèce d'effort de confusionnisme, etc. Un, un des, une des choses que vous avez dites à la fin, c'est euh, c'est pas clair, euh, c'est confus et ça c'est problématique. Je pense qu'une des façons de répondre à cette question-là, c'est justement euh, tout ce cadre euh, sur la transparence. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de euh, ces deux idées qui reviennent régulièrement dans les différentes euh, initiatives, y compris législatives, que peuvent avoir un certain nombre de partenaires, par exemple sur le financement de la vie politique ou sur euh, la façon dont se reconvertissent des gens qui ont des responsabilités soit politiques, soit euh, dans la haute fonction publique. Je ne pense pas que ça soit fondamentalement différent s'ils se reconvertissent euh, dans la sphère économique que s'ils se reconvertissent dans les affaires publiques euh, d'une façon moins, euh, moins institutionnelle. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement exclure euh, le, le, la sphère économique de ce besoin de transparence et de, euh, et de euh, clarification. Mais je pense qu'une qu bonne partie de la réponse... a lieu là et dans la capacité justement à euh, restaurer une forme de confiance, parce que une des choses qui alimente cette tension, ce doute, ce scepticisme, cette remise en cause de la crédibilité de la parole qui s'exprime dans le débat public, c'est justement le sentiment que toute parole est intéressée. Je ne suis pas naïf, je sais que euh, euh, tout le monde a un intérêt et que c'est difficile de faire la différence entre ses euh, intérêts et le reste de ce qu'on pense. Mais toute parole n'est pas que intéressée. Euh, et la, la bonne façon de traiter ce problème, c'est effectivement une forme de transparence et une forme de pluralisme et de contradiction dans le débat. Et la contradiction dans le débat, ça ne veut pas dire la polarisation du débat ou l'opposition de... Euh, de, de thèses euh, clairement, euh, clairement hostiles l'une à l'autre. C'est justement le, le pluralisme, c'est aussi cette capacité de, de diversité et de gérer le, le, les nuances ou la continuité du, du spectre de, des, des idées diverses. J'espère que j'ai répondu. Bah Écoutez-moi, je ne trouve pas. Le, le, je me permets de rebondir. <coughs> si on prend le cas de l'Allemagne, par rapport à votre institution. Euh, que ce soit vous ou vos prédécesseurs. Quand vous voyez que M. Schröder, parce que vous connaissez son nom, ça sert à rien de tourner autour du pot, M. Schröder, ancien Premier ministre allemand, prend les euh, conseils d'administration de, de Gazprom. Pardon, pour construire un plus deux euh, pipeline qui contournent volontairement, puisque que bon, la carte est assez simple, euh, tous nos alliés et partenaires d'Europe de l'Est qui ont les relations qu'on sait euh, avec euh, la Russie, et pour l'objectif, c'est-à-dire transférer massivement du gaz euh, de, de la Russie euh, à l'Allemagne sans passer euh, par euh, nos partenaires allemands ou euh, la Biélorussie ni l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une alerte qui est faite au ministre Est-ce que les services du ministre sont alertés ou est-ce qu'on considère que c'est une revue de presse euh, Quand vous avez le port d'Hambourg, qui euh, les Chinois prennent des parts dans le port d'Ambourg, est-ce qu'il y a une réaction euh, des services du ministère dont vous faites partie ou pas du tout euh, Quand vous avez les Chinois qui prennent euh, possession euh, du port du Pirée, euh, qu'est-ce qu qui se passe au ministère Est-ce que vous, en tant que sing vous faites une analyse, vous nous lancez une alerte euh, Voilà, moi j'aimerais quand même comprendre, si vous voulez, parce qu'on entend beaucoup d'analyses, de, de concepts, tout ça, et c'est très intéressant, je ne critique pas du tout ça. Mais, mais concrètement, c'est-à-dire quand on a des alertes qui, franchement, sont quand même pas très subtiles, euh, euh, sur notre continent, dans nos démocraties, euh, et, et qu'est-ce qui se passe quoi Et après dix ans après, on dit ah bah oui, si on avait su, bah oui, on a toujours su. D'ailleurs, les Américains l'ont dit. Euh, votre serviteur, salut, on s'en fiche. Que quand il y a un, un, un gazoduc entre euh, l'Allemagne et la Russie, c'est pas pour être, euh, c'est pas pour euh, faire des bisounours quoi. De, donc qu'est-ce qui se passe quand, vous, quand on assiste, quand, quand de, de, de votre institution, quand le ministère assiste à ça, qu'est-ce qui se passe quoi alors, je pense que sur tous les exemples que vous avez pris et probablement sur la plupart des autres, en fait, mon institution n'écrit pas là-dessus parce que le reste du système diplomatique écrit là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin d'en rajouter par rapport à ce que va dire l'ambassade euh, à Berlin qui, évidemment, euh, informe la ministre euh, à la fois sur ce qui se passe et sur l'état du débat et sur éventuellement les problèmes que ça peut euh, poser pour nous. Euh, et. Par ailleurs, pour aller un peu plus loin, euh, dans le cas de euh, Schroeder et euh, Gazprom, euh, je, je pense que c'est un peu facile de réduire. C'est là, là où cette, cette question est compliquée. L'influence, c'est un, une stratégie diffuse et, euh, et euh, qui se déroule dans le temps. Quand il y a un monsieur, gouvernement de CDU diffuse, vous avez un ancien premier ministre qui dirige un conseil d'administration d'une entreprise russe qui construit un euh, gazoduc entre la Russie et l'Allemagne qui contourne tous nos partenaires européens, l'Ukraine et la Biélorussie. Je ne comprends pas ce qui est diffus dans le fait qu'un ancien premier ministre euh, dirige, valide et donne son influence là-dessus. Mais expliquez-moi dans ce cas-là, qu'est-ce qui est diffus dans cet exemple précis Ce qui est diffus, c'est le fait que Gerhard Schröder, qui est un ancien euh, chancelier SPD, la, la présence de Gerhard Schröder euh, au conseil d'administration de Gazprom n'explique pas la position par exemple de la CDU à Berlin. Or, la mise en place euh, de Gazprom 2, elle s'est faite essentiellement sous la chancelière Merkel, et le discours consistant à dire ce gazoduc euh, n'est pas géopolitique, c'est purement économique, ça n'a aucune euh, motivation euh, géopolitique, ce qui est un discours qui a fini par... Euh, euh, enfin, que, dont les, les Allemands ont dû constater qu'ils ne tenaient pas, et donc ils ont dû changer, pas juste de discours, mais de position, était un discours qui était tenu par euh, des membres du gouvernement, voire la chancelière, qui n'avait pas, euh, pas de raison d'être particulièrement euh, influencée elle-même par Schröder. Donc, elle est en coalition est... avec le SPD. Alors, elle n'a pas été en coalition avec le SPD sur toute la période, euh, et ça ne l'a pas empêché d'avoir une position assez constante sur le sujet, si je ne me trompe pas, euh, d'une part, et d'autre part... Si vous voulez me faire dire que euh, la situation euh, de, euh, du gazoduc Nord Stream 2 était en fait assez évidente euh, et que euh, le... cette information existait au Quai d'Orsay, qu'il y avait des analyses euh, sur euh, ce qu'on en pensait, les problèmes que ça pouvait poser, je, je, je n'ai aucun problème euh, là-dessus. Euh, et encore une fois, c'était suffisamment clair pour que, à ma connaissance, euh, avant moi, et en tout cas depuis que moi j'ai pris euh, la direction du CAPT, on n'est pas particulièrement creusé là-dessus parce que l'information et la discussion existaient indépendamment de notre contribution. Par contre... Euh, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui n'est pas euh, est-ce que Gazprom était une bonne idée ou pas, mais comment est-ce que des pays mettent en place des stratégies euh, d'influence, oui, là il y a un caractère diffus et, et c'est ça qui rend la situation compliquée. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en interdisant euh, à un ancien chancelier d'être membre d'un conseil d'administration d'une entreprise étrangère qui, en plus de ça, poursuit probablement non pas juste des objectifs économiques mais des objectifs géopolitiques et qui, en l'occurrence, soutient un. Un projet dont on peut penser qu'il est problématique. Je pense que c'est important pour les, les raisons de, de nécessité, de transparence et de clarification et de crédibilité et de confiance dans le système politique. Et donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Je ne crois pas qu'on règle le problème uniquement avec ça, justement parce que ces stratégies fonctionnent de façon. Euh, oui, j'ai pas de meilleurs mots que diffus de façon. Euh, de, de façon euh, indirecte euh, et, euh, et en ajoutant un certain nombre d'éléments qui finissent par créer un maillage, un état d'esprit, une discussion. C'est aussi pour ça que c'est des stratégies qui marchent très bien avec euh, les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est décentralisé, c'est pas euh, bottom-up, c'est pas euh, top-down. Euh, c'est euh, une parole qui, dont les gens ont l'impression qu'elle euh, vient de quelqu'un qui est à côté d'eux et non pas en surplomb. Et ça s'accumule et ça peut toucher des publics différents parce que ça peut prendre des formes différentes et ça suit des réseaux, des, des circuits différents. Et c'est ça qui crée, euh, in fine. Un effet politique euh, significatif, visible, en termes de manipulation de l'information. Merci, monsieur Vos. après, j'aurais une question d'Amgeneté à vous lire. Oui, merci. Euh, je voulais justement rebondir sur ce que vous, vous venez de dire. En fait, je voulais parler un peu des, des réseaux sociaux. Euh, effectivement, vous nous avez expliqué qu'il y a une frontière qui est parfois très ténue et, ténue et subjective entre euh, l'influence et, et la diplomatie ou la diplomatie culturelle. Euh, et donc, moi, j'aurais préféré qu'on s'attache un peu plus, d'une euh, manière plus concrète, à, à réfléchir à ce qu'est l'ingérence réelle, à savoir, à mon sens, la, la volonté d'exercer de la part d'un pouvoir une puissance extérieure ou de, de politiciens extérieurs à exercer euh, une action directe euh, sur des choix politiques ou sur la situation politique intérieure d'un pays tiers. Euh, et, et dans ce cas-là, pour moi, la, 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 le, le, le but du jeu de, de cette influence, de cette ingérence étrangère, notamment à travers l'information, les réseaux sociaux, c'est pas de permettre à Vladimir Poutine de gagner un concours de popularité en France. A l'évidence, ce n'est pas, pas le but du jeu, ça ne leur servirait pas à grand chose. Pour moi, c'est plutôt l'objectif de, de, de favoriser euh, l'émergence et voir la croissance d'une sorte de, de cinquième colonne, on va dire, au centre de puissance étrangère, au milieu de puissance étrangère, cinquième colonne qui pourrait euh, agréger notamment les idiots utiles dont on parlait euh, euh, un moment, et, et, et permettre donc euh, de correspondre à l'agenda politique de ces, de ces puissances étrangères, notamment de déstabiliser de l'intérieur, participer de l'intérieur à la déstabilisation d'un régime, d'un gouvernement, euh, voire même de provoquer des, des affrontements directs. Et, et on, a, on a eu plusieurs exemples dans le passé, en tout cas, d'influence, de, de, d'ingérence supposée directe. De, de puissances étrangères, notamment la Russie, euh, mais même euh, certaines puissances nord-américaines, qui étaient supposées ou euh, sujet de rumeurs quant à leur rôle, par exemple, dans le processus indépendantiste catalan, euh, qui, euh, avec notamment des, des, des rumeurs supposées de soutien militaire et financier de la Russie, ou encore euh, de la volonté de certains dirigeants, enfin proches de dirigeants nord-américains, de soutenir et favoriser l'émergence du mouvement des des gilets jaunes en France, avec euh, la, la, la volonté euh, évidente, en tout cas pour les observateurs qui, qui croyaient à ces, à ces rumeurs, bah, d'affaiblir euh, à chaque fois euh, un adversaire politique, ou en tout cas un concurrent politique, que ce soit l'Europe ou, ou un pays tiers. Ma question, c'est les réseaux sociaux sont de plus en plus un, un relais de ces, de ces politiques. Euh, probable de volonté d'ingérence étrangère dans, dans la vie interne de nos démocraties. Est-ce que vous pensez, dans le cadre de vos réflexions, que nous avons la capacité de remettre d'une certaine manière le génie dans la bouteille et de, de pouvoir influer sur euh, euh, l'espèce d'enfermement de, algorithmique euh, dans lequel nos sociétés occidentales se retrouvent parfois, parfois bloquées euh, et de, dans lequel les, les, ces cinquièmes colonnes se voient finalement euh, renforcées à force de, de biais de confirmation, euh, à force de, de, de fake news poussées et propagées par des robots. Et, 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 et in fine euh, de favoriser donc euh, non seulement l'intérêt des, des puissances étrangères, mais aussi parfois euh, d'acteurs politiques euh, locaux au sein de ces pays qui eux-mêmes eux ont finalement des intérêts alignés à ces puissances étrangères. Euh, je suis assez largement d'accord avec ce que vous dites. J'ai un. Sujet sur. Euh, je ne suis pas sûr que, même pour la partie ingérence c'est pas juste influence, je ne suis pas sûr que l'objectif soit forcément euh, une cinquième colonne ou euh, toute autre forme de, euh, de, euh, de relais politique très direct qu'on peut avoir. Évidemment, quand ça existe, c'est formidable. Euh, et il y a tout un tas de procès en Europe ou de d'enquêtes euh, en cours ou euh, etc. Euh, et je parle de l'Europe, mais on pourrait parler évidemment de, de tas d'autres pays. On voit qu'il y a des stratégies de euh, ce que maintenant euh, les chercheurs en sciences sociales appellent la capture des élites, euh, qui est encore une fois pas uniquement de la corruption euh, ou pas uniquement du recrutement par euh, idéologie. Euh, mais euh, je pense qu'une partie de ce qu'on voit, euh, par exemple, du débat euh, du débat américain, pour prendre un exemple que tout le monde a en tête, c'est que euh, je suis sûr que si on dit demain à Vladimir Poutine que ses services ont recruté un type qui est bien placé pour devenir le locataire de la Maison Blanche, il ne verra pas de problème, il trouvera ça formidable. Mais qu'en vrai, si la stratégie américaine, vu l'état du débat politique, de politique étrangère aux États-Unis, si la, la politique d'influence ou d'ingérence russe... Elle est de favoriser un débat entre les internationalistes, ceux qui sont plus euh, pour une forme d'activité sur la scène internationale, mais d'un de point, de point de vue nationaliste, et donc plus unilatéraux, et puis ce qu'on appelle les restrainers, ceux qui sont pour, euh, pas juste la restriction en fait, mais une forme de désengagement, ou de euh, euh, on ne s'occupera de ces affaires que si ça nous concerne directement, sinon que les autres se débrouillent eux-mêmes et on va plutôt euh, euh, se, se replier. Du point, de vue, du point de vue russe, euh, ça peut être très très, très, très bien aussi. Et, euh, et toute la stratégie euh, russe euh, sous Obama, sous Trump et sous Biden, elle est euh, d'essayer de jouer euh, cette difficulté-là euh, à laquelle fait face le président dans, dans ce contexte-là. Et on sait bien que sur les trois présidents, ils ont chacun adopté des, des postures assez différentes sur ces sujets-là. L'autre chose sur laquelle euh, je voudrais éventuellement euh, préciser un peu, euh, vous, vous, donc, à juste titre, vous dites que les réseaux sociaux ont, occupent une part importante de cette discussion. Euh, ils occupent une part importante de cette discussion aussi parce que c'est la partie la plus visible, la plus tangible, y compris pour chacun d'entre nous de façon euh, euh, quotidienne. Il ne faut pas perdre de vue que euh, s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, en vrai, il se passe la même chose dans plein d'autres registres, de plein d'autres formes moins visibles. C'est ça une stratégie hybride. Une stratégie hybride, c'est une stratégie qui va intégrer différentes modalités, différents niveaux d'action, différents instruments. Euh, et donc, euh, on ne réglera pas... Euh, euh, je ne veux pas dire que les réseaux sociaux sont un thermomètre, c'est un, <laughs> un, euh, un peu plus que ça. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur la la façon dont le débat euh, se forme ou se déforme sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que, euh, plus qu'une histoire de remettre le génie euh, dans la bouteille, euh, une revendication de longue date euh, face à l'ensemble des plateformes et des compagnies qui gèrent des réseaux de ce genre-là, c'est la transparence de leur algorithme, euh, l'ensemble des questions de régulation. Euh, la question de l'éducation euh, au débat, aux réseaux sociaux, à comment on repère une information erronée. On, moi, je, je, on échange évidemment des tas de choses avec mon équipe. Il m'arrive de temps en temps, au sein de mon équipe, euh, de poser la question sur le thème mais quelle est la source de l'information que tu viens de diffuser Alors que c'est notre métier, on fait ça tous les jours. Juste le, la façon dont les réseaux sociaux marchent. Voilà. Euh, et donc, euh, et donc, si c'est le cas pour <laughs> des gens dont c'est le métier euh, dans mon équipe, c'est probablement euh, une nécessité, euh, une nécessité euh, beaucoup plus large et beaucoup plus euh, euh, profonde à l'échelle de, euh, de la société. Et donc, euh, est-ce que ce dont on a besoin, c'est de remettre le génie dans sa bouteille, ou est-ce que ce dont on a besoin, c'est euh, d'assécher le terreau sur lequel les gens, en fait. Il se passe ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est rentable. C'est rentable économiquement parce qu'il y a des gens qui en retirent un revenu économique et qui font, sont prêts à faire un peu n'importe quoi du moment que ça paie. Et puis des gens qui pensent que c'est rentable politiquement. Et donc, si on assèche ce qui rend, permet de rentabiliser l'investissement, en fait, l'investissement se fera moins. Et donc, la capacité de. D'une fausse information à devenir virale, à exister partout pendant quatre jours, le temps que finalement euh, elle soit éteinte et désactivée, bah, je pense que ça, ça reste rentable. Si euh, le, le, la capacité de la modération ou de l'algorithme à la repérer et à éviter euh, la diffusion est beaucoup plus rapide, tout d'un coup, c'est beaucoup moins rentable. C'est là-dessus qu'il faut travailler, à mon sens. Je vous lis la question de Madame Genté. Euh, notre intervenant n'a pas la scène nationale pour objet d'étude, mais à l'étranger, dont je comprends qu'il l'étudie, a-t-il observé que des acteurs publics français, politi pardon, des acteurs politiques français puissent être une cible d'influence, de lobbying, voire de subversion, de pression point Dans quel pays, sur quels acteurs et avec quelles méthodes C'est évident. Je, ça serait, ça serait vexant que les acteurs politiques français soient jamais le cas de telles cibles, de telles cible, telle stratégies. Encore une fois, il y a deux choses. Il ne faut, il faut pas confondre ce que je disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de stratégies d'influence. C'est important d'avoir des relais, des contacts. Je, évidemment, euh, tout ça... Tout ça euh, euh, il ne faut pas confondre euh, ce genre de, de contact ou euh, d'implication avec, euh, avec euh, des stratégies qui sont des stratégies plus euh, malignes, euh, plus problématiques, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure. Euh, mais on voit bien qu'à euh, chaque élection, il euh, y a un certain nombre d'États euh, qui se disent, euh, bah, si je peux être bien placé au lendemain de l'élection, euh, évidemment, euh, ça ne, ne, euh, ça ne, ça ne nuira pas à mes intérêts. Jusque-là, euh, c'est légitime. Et si je peux faire quelque chose pour favoriser ce résultat, euh, pourquoi est-ce que je me priverai Et c'est là où on commence à rentrer dans le problématique. Euh, et il euh, y a dans la presse des tas de choses qui vont de, euh, euh, et, et je parle que de la presse, euh, des tas de choses qui vont de, euh, au, donc au-delà de ces contacts interpersonnels, etc., qui encore une fois sont normales et existent dans la plupart des pays, sur euh, la façon de euh, récupérer de l'information, la mise sur euh, écoute avec euh, des moyens euh, d'espionnage, parlais de Pegasus euh, tout à l'heure. Euh, dans l'affaire Pegasus, il y a euh, des stratégies pour euh, écouter euh, à la fois des gens qui sont euh, au gouvernement, qui sont en responsabilité, et puis d'autres qui ne le sont pas, mais qui pourraient euh, l'être euh, ou qui euh, peuvent avoir une influence dans une partie de la vie euh, politique. Euh, il y a des stratégies... Euh, de, euh, de messages. On voit bien qu'il y a un certain nombre euh, d'acteurs euh, diplomatiques, y compris euh, étrangers à Paris, qui ont une communication euh, plus ou moins agressive, euh, plus ou moins euh, personnalisée sur ce qu'ils pensent de tel ou tel et euh, qui retweetent de façon assez sélective une partie euh, de, de, du débat euh, interne politique euh, français. Euh, donc, ce n'est pas juste ce qui se passe à l'étranger. Évidemment, je regarde aussi ce que font les acteurs euh, étrangers euh, en France euh, pour la sphère euh, diplomatique. Mais on le voit, euh, le, le, cette histoire de diplomate chinois euh, loup combattant, c'est quelque chose qui a existé euh, partout. Et puis, il euh, y a des stratégies, euh, y a des stratégies euh, visibles. C'est-à-dire que tout, tout n'est pas que recrutement ou, euh, ou corruption. Euh, dans le... Je parlais tout à l'heure des euh, procédures Bayon, qui est quelque chose qui préoccupe beaucoup euh, les think tanks. Je vais prendre un autre exemple qui préoccupe beaucoup les think tanks et les chercheurs euh, en général. Vous avez eu cette affaire canadienne de ce qu'on a appelé les deux Michael, donc deux ressortissants canadiens qui euh, ont été euh, euh, détenus en Chine euh, de façon très prolongée, euh, avec des accusations d'espionnage, et en fait un discours chinois tout à fait explicite. Euh, faisant le lien avec euh, une, la détention au Canada d'une responsable de Huawei, si je ne me trompe pas, euh, à la demande des États-Unis, avec une question sur la possible extradition de cette euh, dirigeante de Huawei vers, euh, vers les États-Unis. Et en fait, le discours chinois était explicite dans le lien qu'il faisait avec l'un et l'autre, et cette explicite était tellement assumée que les deux Michael en question ont été libérés dans la foulée de la libération par le Canada de la dirigeante de Huawei et les Chinois ont dit bah euh, voilà y a, je, ce, le, le motif de leur arrestation n'a plus lieu d'être puisque la dirigeante euh, la, notre compatriote euh, a été libérée euh, au Canada c'est évidemment une forme d'ingérence souvent souvent quand on réfléchit à ces à ces sujets notamment à l'ingérence on a l'impression que c'est des choses euh, Clandestine ou masquée, etc., de, de façon assez frappante, dans, la, dans les États les plus euh, affirmés euh, sur ce sujet-là, il y a justement régulièrement des démonstrations de force assez visibles. Euh, le fait de faire un exemple a un effet euh, sur la capacité derrière à revenir et à faire passer des messages à tel ou tel dirigeant, etc. Euh, et, et donc, c'est le cas pour la France et c'est le cas pour euh, d'autres. Euh, pays européens. En Italie, si je ne me trompe pas, il y, a une en... il y a eu une enquête. Le procureur a demandé à ce qu'elle soit classée sans suite parce qu'il considère qu'il n'a pas réussi à trouver des preuves de la matérialisation de la corruption. Mais il y a eu une enquête sur euh, une discussion entre la Ligue, euh, des dirigeants de la Ligue et des responsables économiques russes. Sur comment est-ce qu'on renforce le lien euh, en termes de, de, de commerce énergétique entre la Russie et l'Italie et euh, dans quelle mesure ça permettrait de, euh, financer une, euh, de financer en partie la campagne de la Ligue pour les dernières élections euh, européennes. Euh, la corruption, il n'y a manifestement pas de, de preuves qui permettent de matérialiser la corruption et donc il n'y a pas de poursuite. Euh, la, le procureur recommande de ne pas euh, continuer les poursuites, mais il n'y a pas de euh, contestation de la matérialité du fait qu'il y ait eu une discussion, que cette discussion a eu lieu, que l'offre existait euh, et que, euh, que cette discussion s'est poursuivie euh, un certain temps. Donc il y, y a tout un tas, <laughs> tout un tas de façons. Euh, de euh, construire des relations euh, qui peuvent ensuite donner lieu à une forme de euh, de relations de compromission, de chantage, de proximité idéologique euh, de, euh, de connivence politique euh, etc qui évidemment euh, existe encore une fois euh, partout en Europe et il n'y a pas de raison de penser que ça n'est pas le cas en France. Monsieur Pfeffer, Monsieur Ménager, ou Monsieur Cupertafon aussi, ce qui je sais pas si il a une question à distance. Je vais être rapide, merci Monsieur le Président. J'ai bien compris que ce n'était pas votre rôle de regarder en interne euh, en France ce qui se passait euh, sur ce sujet. Vis-à-vis -vis de nos alliés européens, est-ce que vous avez des exemples probants Vous avez cité l'exemple euh, australien et avec la Chine. Est-ce que vous avez des exemples probants avec nos alliés Est-ce qu'il y a des pays qui ont plus de fragilité Vous détectez des fragilités au sein de nos alliés européens Et vous n'avez pas traité du tout de la question euh, supranationale. Euh, on a eu euh, en fin d'année euh, la question euh, du Qatar au Parlement européen. Est-ce que euh, les divers organismes Supranationaux peuvent être des portes d'entrée, euh, des fragilités supplémentaires vis-à-vis euh, -vis, euh, de notre pays. Voilà, j'aimerais avoir des exemples beaucoup plus euh, concrets si c'est possible. C'est vrai que vous nous avez présenté un certain nombre de concepts, je vous en remercie. Euh, mais notre objectif aussi, c'est de comprendre plus concrètement comment ça peut se mettre en place et comment ça se met en place euh, aux portes de la France. Alors, euh, les concepts c'est un peu mon métier. Euh, L'enquête le, sur des cas précis, elle l'est moins. Euh, je ne pense pas être le bon interlocuteur euh, pour ça. Euh, ce qu'on qu essaye de faire au CAP, c'est justement euh, d'essayer, au-delà des exemples concrets, de discerner des traits récurrents, euh, des choses qui sont significatives, des évolutions, des changements de tendance, etc. Donc évidemment on travaille euh, sur euh, des cas concrets, mais euh, on ne fait pas et c'est pas parce que euh, personne ne le fait, c'est parce que d'autres le font euh, que nous. Euh, on ne fait pas au CAPS euh, de travail systématique, euh, y compris de benchmarking sur qui est plus vulnérable que qui. Mais euh, c'est évident que euh, Aujourd'hui en, en Allemagne, vous avez un débat important sur euh, le, la dépendance euh, économique vis-à-vis euh, -vis de la Chine, euh, pour ne rien dire de, euh, du débat euh, sur la dépendance énergétique qui existait, euh, euh, qui est en train d'être traité vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie, parce qu'on en a un peu parlé. Euh, Derrière cette question, de la dé... encore une fois, la dépendance en elle-même, elle, elle n'est pas une politique d'ingérence, c'est une politique de rapport de force, c'est de la politique étrangère euh, un peu euh, désagréable et euh, réaliste au sens euh, agressif euh, euh, éventuellement du terme, mais ce n'est pas une politique d'ingérence ou d'influence, euh, le, le... c'est une politique de hard power, c'est une politique de, de, de coercition, en tout cas ça possiblement, euh, ça l'est. Mais... Évidemment, euh, derrière, il y a des tas de discussions, effectivement, sur euh, comment se traduisent euh, ces, euh, ces, euh, ces vulnérabilités à un niveau plus granulaire, sur euh, euh, la, la façon dont euh, euh, une partie du personnel politique ou une partie des dirigeants économiques ou une partie des journalistes et des universitaires euh, sont euh, ciblés. À défaut d'être euh, de, de, de cédé, bon, euh, cette, cette dépendance à la Chine, elle n'est pas propre à l'Allemagne. On le voit beaucoup euh, dans le cas de l'Allemagne, mais il y a euh, de, toute la discussion qu'on a eue sur la 5G et Huawei, dont je parlais tout à l'heure, elle, elle concernait tout le monde en Europe, euh, justement euh, à cause de ça. Euh, de façon assez euh, frappante, les Chinois ont mis en place euh, cette espèce de cadre euh, qui s'est appelé le 16 plus 1, puis qui a changé de nom parce que le nombre de participants côté européen a varié. Euh, il a grandi, puis il a diminué, mais qui était euh, très clairement une, une euh, tentative côté chinois de créer un cadre dans lequel il pouvait mener une politique d'influence vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, pour une partie membre de l'Union européenne, pour une autre non membre de l'Union européenne, notamment les pays des Balkans pour avoir une espèce de gain d'échelle, d'économie d'échelle dans leur politique d'influence, en disant bah, si vous voulez euh, un cadre dans lequel vous pouvez discuter euh, rapidement et y compris à haut niveau, puisque Xi Jinping euh, pourra y participer euh, de temps en temps, d'investissement euh, économique dans vos pays, euh, venez au 16 plus 1 et puis on parlera de plein de choses intéressantes, etc. Ça, c'est de la stratégie euh, d'influence. Euh, c'est une façon de construire, de faciliter la promotion d'une politique qui existe par ailleurs, une politique d'investissement, de prise de contrôle d'actifs, de, de propositions, de création d'infrastructures, etc. quelque chose que tout le monde connaît. Mais tout d'un coup, vous créez un cadre différent et vous mettez en place un dispositif qui va renforcer votre capacité à la fois à faire de cette politique économique extérieure un succès et puis euh, probablement créer quelque chose autour qui euh, derrière aura des, euh, des retombées euh, euh, positives. Euh... J'ai parlé de, de Pegasus. Si vous, regardez le nombre, enfin, si vous regardez les pays qui ont acheté le fameux logiciel à l'entreprise israélienne et qui ensuite se sont intéressés à des partenaires européens, vous avez une liste de pays, notamment de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, dont vous voyez bien qu'ils étaient intéressés encore une fois. S'il se passe quelque chose sur ce sujet-là, c'est qu'il se passe d'autres choses ailleurs, dont vous voyez bien qu'ils cherchaient à avoir une compréhension de ce qu'était euh, le débat euh, chez les Français, chez les Allemands, chez les Britanniques, chez les Espagnols, chez les Italiens, que sais-je, sur un certain nombre de sujets qui les intéressaient directement et dont ils pouvaient derrière aller leur parler euh, ensuite, que ce soit euh, des questions euh, d'ordre national euh, ou que ce soit les relations bilatérales ou que ce soit les relations avec le, le pays voisin, etc. Sur la partie supranationale, je suis désolé de ne euh, pas en avoir euh, euh, parlé autant que vous le souhaitiez. J'ai quand même mentionné qu'il y avait vaguement un, un sujet aussi à l'échelle européenne, la vie politique européenne et pas juste la vie politique nationale. Et je pensais évidemment notamment à, euh, à cette enquête de corruption euh, qui euh, semble mettre en cause à la fois le, le Qatar et le Maroc vis-à-vis -vis du Parlement européen. Mais j'ai aussi parlé des organisations internationales en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est effectivement la, la stratégie d'influence au sein des organisations internationales. Et, euh, et la façon dont derrière on utilise ces organisations internationales pour ensuite avoir de l'influence ailleurs. Il y a plein de façons de faire de l'influence dans les organisations internationales, l'avantage c'est qu'elles sont internationales. Donc d'abord, vous pouvez être présent dans les instances, vous pouvez avoir des candidats pour diriger euh, l'organisation, ou en tout cas avoir un candidat qui vous va bien et avec qui vous avez de bonnes relations, et encore une fois, tout le monde fait ça. Ça, c'est de la stratégie d'influence, pour le coup, c'est la règle du jeu. Si on n'est pas content avec le résultat, on n'avait qu'à jouer mieux euh, la partie d'avoir une présence au sein des secrétariats, euh, et encore une fois, ça c'est pareil, c'est légitime, mais par exemple, si vous ciblez systématiquement euh, dans le secrétariat euh, la direction euh, des systèmes numériques, et qu'une fois que vous y êtes, vous favorisez dans la façon dont vous mettez en place la transformation numérique de l'organisation, une entreprise, de votre pays ou pas, mais qui euh, dont les, les, les pratiques ou les méthodes peuvent être contestées justement en termes de euh, transparence, de euh, euh, protection des données, etc. Là, vous commencez à rentrer dans une zone euh, un peu compliquée. Euh, bref, donc il y a beaucoup de façons de faire de l'influence euh, à l'intérieur des organisations internationales, et derrière, vous utilisez votre influence à l'intérieur de ces organisations vis-à-vis -vis des États membres ou vis-à-vis -vis des instances pour pousser des sujets qui, évidemment, euh, vous, vous intéressent. J'ai parlé des standards et, euh, et des normes, y compris les standards industriels. Il y a d'énormes débats à euh, l'Union internationale des télécoms sur ce que sera le prochain, euh, la prochaine norme. Pour les standards euh, Internet, il y a des discussions sur ce que sera euh, la prochaine norme, euh, euh, les, ce, que, ce que peuvent être les normes ou les protocoles euh, pour euh, euh, l'Internet des objets, pour euh, les, le prochain standard, la prochaine génération de standards pour la téléphonie mobile, etc. Évidemment, euh, ce n'est pas juste des discussions entre industriels ou des discussions au sein d'institutions de, 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 internationales privées qui font de la coordination entre industriels. Il y a en fait une grande part de cette discussion qui a lieu dans les organisations internationales publiques, notamment celle du système des Nations Unies, et ou dans euh, les enceintes où vous discutez de la mise en œuvre de votre accord euh, euh, régional de libre-échange ou euh, dans votre organisation régionale, etc. Merci beaucoup. Si aucun commissaire n'a d'autres questions, je vous propose que nous libérions notre invité. Je remercie pour votre temps, M. lafont rapnouille pour vos réponses. Et je vous propose de suspendre la séance et nous nous retrouvons à 14h. Merci à tous. Nous nous retrouvons dans la salle où je me suis perdu ce matin, au-dessus.